Bonsoir tout le monde et merci d'être venu ce soir. On peut tous constater malheureusement qu'on n'est pas très nombreux, mais moi je suis contente que je vois entre guillemets des nouvelles têtes, des militants qu'on ne voit pas dans les instances fédérales classiques et qui viennent ce soir vous, je pense, intégrer du débat. J'espère que d'autres camarades nous rejoindront. Nous allons être filmés aussi, faudra aussi qu'on voit comment on diffuse ces vidéos au plus grand nombre de militants. Donc on avait décidé il y a quelques temps de programmer un débat sur le Brexit, parce que évidemment, il a eu lieu jeudi, si je ne me trompe pas, c'était jeudi dernier, et donc ça nous semblait plus intéressant de le programmer après le vote, plutôt qu'avant le vote, parce que déjà, on a le résultat du vote, hélas, et ça nous permet aussi de voir ensemble quelles peuvent être à la fois les conséquences de ce vote, les conséquences directes, j'ai envie de dire, hein. Pour l'instant on est un peu dans le brouillard, nous les citoyens, mais peut-être aussi, j'ai le sentiment, les gens eux-mêmes, et aussi au-delà des conséquences directes, ou peut-être plus lointaines du vote, voir un peu toutes les implications et le contexte général dans lequel s'inscrit ce vote, qui n'est pas tout à fait anodin. Le fait d'organiser un référendum sur le Brexit n'allait pas de soi, vous êtes vraiment Je vous tourne le dos. Ils sont dans les backstage. Et donc, pour faire ce débat, on a un peu dérogé à la règle des mardis de Jaurès, les mardis de Jaurès, c'était l'idée de mettre un intervenant face aux militants sur un thème précis. Là, l'enjeu du thème, vous a fait revoir ce format. Déjà, on est très très heureux d'accueillir celle que vous connaissez tous, pour l'avoir soutenue, pour avoir voté pour elle, Christine Revaud-Dallonne, bonne foi, notre députée au Parlement européen. Merci Christine d'être ici présente ce soir. Et nous accueillons aussi deux membres très actifs de Sauvons l'Europe. Peut-être que vous avez pu découvrir leur site très bien fait et les suivre également sur Facebook, ce que je vous recommande parce qu'ils publient très régulièrement depuis de longues années des billets très, très précis et très argumentés sur l'Europe. Alors on se plaint toujours de ne pas avoir suffisamment d'Europe dans notre actualité quotidienne. Et bien, je vous recommande de suivre Sauvons l'Europe. Depuis que je le fais, j'avoue que j'ai pas mal d'éclairage. Donc, je remercie Arthur Collin, qui est le vice-président de Sauvons l'Europe, d'être présent ici ce soir, et Henri Lassenous, qui est le secrétaire général. Ouais. Donc, je vais leur, sans plus attendre, je vais leur laisser la parole. On va commencer par Sauvons l'Europe, on espère que vous allez vous aider à mieux la comprendre avant d'essayer de la sauver avec vous, et puis elle sera ensuite la parole à Christine pour plus d'étapes. Vous avez un micro. Oui, bonsoir. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir permis de venir parmi vous ce soir pour discuter un peu. D'après ce que j'ai compris, la règle du jeu, c'est que d'abord, on introduit un peu le propos, et puis ensuite, on passera sur des questions et un échange, et je vois qu'on a apporté mon dîner. Non ? Bon. C'est pas le mien. Bon. Alors, d'abord un petit mot sur Sauvons l'Europe, qui on est, d'où est-ce qu'on vient. On est une association qui s'est créée en 2005 après le crash référendaire sur la Constitution européenne, en ayant pris conscience de deux choses. La première, c'est qu'on était allé trop loin dans l'intégration européenne pour se permettre de continuer sur une voie technocratique, des choses raisonnables, des choses négociées entre gens de bonne compagnie. À un moment, quand on a mis tellement de choses dans l'Europe, il faut que l'Europe soit démocratique. Et concrètement, une Europe démocratique, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord entre eux, qu'il y a des gens de gauche, qu'il y a des gens de droite, qu'il y a des gens du centre, qu'il y a des écologistes, qu'il y a des gens de la gauche, de la gauche. Et nous avons dit, ben voilà, nous, on sort de la partie consensuelle des pro-européens. Et aujourd'hui, on va être la gauche et les progressistes au sein du camp pro-européen, c'est-à-dire en termes français, grosso modo, de Bayrou jusqu'à Mélenchon, s'il le voulait bien. C'est large, mais techniquement, politiquement, le Parlement européen est élu la proportionnelle intégrale, donc il n'y a pas d'autre majorité de gauche que ça. Et au final, c'était celle du Front populaire, donc historiquement, elle est validée. On a pris le modèle, quelque part, d'attaque, avec un petit peu de modestie, mais tout de même. C'est-à-dire qu'on a totalement investi non pas le modèle traditionnel d'être présent localement, mais en fait à chercher à produire en permanence de l'idée, être présent sur Internet là où tout le monde peut nous voir et où on peut surtout aller toucher des gens qui ne sont pas traditionnellement sur les sujets européens. Sinon, on tourne toujours dans le même petit marigot
et finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui nous amène aujourd'hui à la question du Brexit. Parce que finalement, à la différence près que la partie non de gauche a été quasiment absente du référendum du Brexit, il a un peu existé, mais elle était quasiment absente, on a retrouvé dans le Brexit un certain nombre de choses qu'on trouvait déjà en 2005 chez nous, et qui, on va dire, résonnent fortement avec les diagnostics qu'on a posés depuis. Ça va ? Qu'est-ce que ça veut dire, le monde de gauche a été quasiment inexistant ? Dans le Brexit, c'est-à-dire qu'en fait, dans la répartition des voix et de ce que les gens ont porté dans le débat public, les forces en faveur du Brexit ont été quasiment exclusivement, je dirais à près de 90%, portées par les gens de UKIP, qui est un parti issu du Parti conservateur, qui est une scission du Parti conservateur anglais, et qui est très souverainiste. On va dire que c'est la version énervée et mal polie de Nicolas Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Bien, là, ça y est. Voilà. Et la partie conservatrice du Parti conservateur, qui lui-même était très, très scindé sur cette question. À gauche, finalement, il y a eu quelques leaders syndicaux et autres qui ont trouvé que l'Europe imposait trop le social par le bas, mais on va en parler justement. En fait, le Royaume-Uni a tellement été dans aucune des politiques intégratrices de l'Union européenne qu'en fait, ils ne sont pas vraiment soumis à ce problème-là. Et même, le Royaume-Uni a dérogé à une partie du peu d'Europe sociale qui existe. C'est-à-dire que même le peu d'Europe sociale qui existe, politiquement, ils en étaient sortis. Donc, la gauche dans le Royaume-Uni, leur problème social principal, ce n'est pas la normalisation libérale européenne, on va dire. Ils ont déjà à se battre avec leurs propres conservateurs à eux, à la maison. Ça leur suffit déjà. Donc du coup, en fait, on était dans quelque chose de beaucoup plus clair, et pourtant, une grande partie des ouvriers sont allés vers le Brexit, et ça, on regardera pourquoi. Donc la première chose qui frappe, en fait, c'est qu'on se dit que finalement, le Royaume-Uni n'est jamais vraiment rentré dans le projet européen. Et pour ça, il faut revenir très en arrière, à 1945, parce que le projet européen, finalement, on peut le voir de deux manières, soit c'est un marché, et puis on essaye de gérer ensemble le marché, soit technocratiquement, soit plus ou moins démocratiquement, soit les pays qui négocient entre eux, soit c'est un projet qui va au-delà, et qui a parfois un peu du mal à aller au-delà parce que c'est compliqué et qu'en fait au final on est un peu coincé à l'étape marché, mais on aimerait bien aller au-delà. Fondamentalement, au départ, le projet européen, c'est la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est les mêmes qui ont fait la sécurité sociale qui ont fait l'Europe. C'est les mêmes personnes. C'est le même projet. Simplement, la sécurité sociale, c'était à l'intérieur des pays. Et l'Europe, c'était la partie paix internationale et liberté publique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe n'a pas commencé par le marché. Elle a commencé par la Convention européenne des droits de l'homme. La première brique européenne, c'est les libertés publiques. Ensuite, on a mis ensemble le secteur de l'acier et du charbon. On s'est raté sur la défense. Et ensuite, on a fait le marché. Mais l'idée n'était pas simplement de constituer un marché pour être plus puissant dans les négociations économiques au niveau mondial. Et donc, fondamentalement, c'est vrai pour à peu près tous les pays européens parce qu'ils ont connu la cassure démocratique. Ils ont été occupés par l'Allemagne nazie, ou ils ont été l'Allemagne nazie, ou ils ont été l'Italie fasciste, ou ils ont connu la dictature en Espagne ou en Grèce ou ailleurs. Et pour les plus malchanceux d'entre eux, ils ont eu la double peine puisqu'ils ont eu pendant 50 ans ensuite la dictature soviétique. Donc le projet européen, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Europe de l'Est, les manifestants qui se battent pour maintenir les acquis démocratiques en Pologne, ils défilent avec le drapeau européen. C'est ça que ça signifie. En Ukraine, quand le début de la guerre civile, en fait, ça a été la rupture des négociations commerciales avec l'Europe,
mais ce n'était pas parce qu'il y avait une partie de l'Ukraine qui était prête à aller au clash parce qu'il n'y avait pas d'accord commercial avec l'Europe. Ce n'était pas de commerce qu'il était question. C'était bien évidemment de tout ce qui allait derrière, et le drapeau européen qu'on voyait dans les manifestations, il voulait dire bien autre chose. Et l'Angleterre, ça, ils n'ont pas connu. Ils n'ont pas connu parce qu'ils ont, connu la guerre, mais en fait, ils n'ont jamais été occupés. Les libertés publiques, pour eux, c'est leur histoire millénaire avec la Magna Carta, le truc, le machin, etc. Et donc l'Europe, finalement, dans les tripes, ça ne leur parle pas, le projet européen. Il y a le marché, c'est quelque chose de très bien, de très utile. Et puis ensuite, on est dans un simple ajustement technique de qu'est-ce qu'on peut en retirer sans trop donner. Voilà, on est dans une négociation commerciale classique, de leur point de vue. Mais ils ne sont jamais rentrés dans le projet européen. Et donc, ils ont fait, quelque part, le Brexit par morceaux de toutes les politiques un peu intégrées. Ils ne sont pas dans Schengen. Ils ont réussi à faire le Brexit du peu de politique sociale qui existait. Ils ne sont pas dans l'euro. Dans quoi ils ne sont pas, il faudrait faire la liste, mais elle est quand même assez longue. En fait, tu parlais de politique sociale. Oui, c'est ça. Ils ont réussi à obtenir des dérogations sur la durée maximum du travail. C'est parce que 48 heures, au niveau européen, c'était 48 heures par semaine. Décider que les heures sup commencent à 48 heures par semaine, pour le Royaume-Uni, c'était déjà trop bon. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ont d'autres problèmes, on va dire, que... ils ne sont pas dans l'euro, ils ne sont pas non plus dans le contrôle budgétaire, on va dire, commun. Là où la plupart des autres pays qui ne sont pas dans l'euro ont choisi de signer le traité de stabilité. Eux, non. Leur austérité, ils l'ont fait tout seuls comme des grands, sans être forcés par personne. Et ça nous amène à la situation actuelle, où en fait, quelque part, le choix entre avoir l'accès au marché depuis l'extérieur ou être dedans, finalement, du côté d'une partie de l'opinion publique anglaise, c'est pas très différent. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas un sens de catastrophisme énorme pendant une partie du référendum. En revanche, ce qui s'est déchaîné pendant le... Et on l'a vu avec les unes de la presse britannique People, c'est la question des valeurs européennes. Parce qu'en fait, il y a eu deux arguments. Il y a eu premièrement les immigrés polonais, mais en fait les autres aussi, parce que depuis quelques jours qu'il y a eu le nom, on a une multiplication d'incidents anti-immigrés dans la rue, et elles ne font pas forcément la différence entre les immigrés européens et les Pakistanais et trucs et machins. C'est on a voté Brexit, maintenant vous partez. Ah oui, non mais il y a quand même une frange là qui sent pas très bon. Ça, c'était plutôt la campagne du UKIP, il faut bien le dire. Et puis, de l'autre côté, il y avait un espèce d'argument qui est un peu au cœur du sujet, c'est que la contribution britannique, ils avaient fait un mini Brexit, ils avaient obtenu un rabais. Ça revenait environ à 5 milliards de livres par an. Comme ça, le chiffre est gros, et ils disaient, on les reprend et on les met dans notre système de santé qui est sous-financé. Mais en réalité, c'est quand même la cinquième puissance économique du monde. 5 milliards de livres, très franchement, pour faire un petit peu de solidarité avec les autres pays, c'est quand même pas quelque chose d'extraordinaire. L'entièreté du débat sur ce sujet, entre les quelques camps du livre et celui du Remain, a été sur « oui, mais bon, c'est en vrai, si on regarde en net, c'est pas aussi cher, etc. » Il n'y a personne, dans le débat politique anglais, je dis bien personne, qui est allé dire à un moment aux citoyens anglais, mais enfin, c'est quand même normal qu'on aide un peu nos voisins. Personne. Alors c'est quand même le cœur, quelque part, du projet européen. Et là, ça montre à quel point ils en étaient éloignés. Et là où on voit évidemment que c'était complètement pipeau cet argument, c'est que premièrement, d'abord, 5 milliards de livres, c'est très en deçà de ce dont a besoin à l'heure actuelle le système de santé britannique. Premier point. Et deuxième point, la France paye plus, je ne sais plus quel chiffre exact, mais la France paye largement plus de 5 milliards de livres au niveau européen. Ça ne l'empêche pas de financer mieux la sécurité sociale et les hôpitaux français que ne le font les Anglais. Donc si les gouvernements anglais successifs avaient vraiment voulu financer le NHS, ils auraient trouvé l'argent pour le faire. Honnêtement, ils ont économiquement la possibilité de le faire. Et la première chose qu'ils ont fait dès le lendemain du vote,
ça a été de dire oui, mais en fait, cette question de l'argent, on va le remettre dans le système de sécurité sociale. Bon, alors, bon, ça, c'était pas vraiment gravé dans le marbre non plus. C'était juste pour dire, quoi. On verra bien techniquement, et puis les baisses d'impôts, c'est bien aussi. Parce qu'on va oublier que tout ça, c'est les conservateurs. Et donc, concrètement, aujourd'hui, on se retrouve avec une Angleterre qui n'était pas vraiment dans le projet européen, mais qui part peut-être, parce que ça, c'est pas si clair que ça en définitive. Il se donne quand même 6 mois pour notifier la chose obligatoirement, pour dire officiellement à l'Union européenne qu'ils partent. Pour l'instant, voilà. Et durant ces 6 mois, il va y avoir un nouveau Premier ministre, et ce nouveau Premier ministre va dissoudre le Parlement pour avoir un mandat populaire clair sur la sortie, officiellement sur la sortie. Mais dans 6 mois, une fois qu'ils auront re-voté, on va bien voir. C'est pour ça que tout ça n'est pas très clair, et il semblerait, c'est mon opinion personnelle sans doute, mais il semblerait que le jeu qu'ils cherchent à mener actuellement n'espérait pas perdre, enfin, il n'espérait pas que le Brexit passerait, ni David Cameron, le Premier ministre, qui a mis en place le référendum, ni Boris Johnson, le leader présentable, ou pas du nom, qui a fait la campagne officielle du nom, mais qui n'espérait pas forcément que ça passerait. Il espérait plutôt se placer en pole position en numéro 2 des conservateurs. Il se retrouve avec un petit peu plus de succès qu'il ne l'avait espéré, sans doute. Et il n'est d'ailleurs pas très empressé de devenir Premier ministre pour aller déclarer l'indépendance de l'Angleterre, du coup, derrière. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que, d'une part, les Anglais ont essayé de se servir de ce délai de 6 mois pour faire une prénégociation officieuse, pour voir à peu près où ils peuvent atterrir, si après tout, ça leur va un pied dedans, un pied dehors, ou un pied dehors, un pied dedans. Et si ça leur va pas, pour pouvoir, à l'occasion des élections, dire bah, « en fait, nous, on pense que c'était une mauvaise idée, on saisit l'occasion du vote, là, dites-nous bien si vraiment vous pensez que vous confirmez qu'il faut qu'on sorte ou pas. » Moi, c'est quand même quelque chose que je sens venir assez fort. Et du coup, ça pose un petit peu la question de que faisons-nous, Européens. De la même manière que l'Union européenne a été un bouc émissaire très commode pour la classe politique anglaise qui a passé son temps à dire que tout ce qui allait mal, c'était la faute de l'Europe, alors qu'en pratique, il ne s'était jamais lié les mains sur rien et que donc il ne faisait que ce qu'il voulait bien. De la même manière, tous ceux qui ont dit que si on n'arrivait pas à avancer en Europe, c'était à cause des Anglais qui bloquaient tout, ben, sans les Anglais, il va peut-être falloir démontrer que maintenant que les Anglais sont là et qu'il n'y a plus de frein, on arrive à avancer. Ou alors, c'était un peu commode de dire que c'était les Anglais, mais en fait, on n'est pas si pressé que ça d'avancer. Moi, je note par exemple que la taxe sur les transactions financières, où les Anglais ne sont pas, donc il n'y a rien qui bloque. Tout le monde est d'accord pour la faire. On a fait un groupe de travail, les États qui sont candidats pour la faire travaillent régulièrement ensemble, ils en sortent tous ensemble en disant « c'est génial, on va avancer, on est en train d'avancer, on l'a fait demain, ça fait combien de temps qu'on discute sans arriver bizarrement à trouver de... » Ça bouge, voilà. Ça bouge. On va finir par y arriver. Et on va finir par y arriver, mais ça demande énormément de travail pour arriver à quelque chose, alors que pour le coup, on est juste entre ceux qui sont d'accord pour le faire, théoriquement. Théoriquement. Et donc, je vais passer la parole à Henri pour qu'il puisse développer un peu sur la situation actuelle au niveau européen et où on va, ou pas. On donnera quand même la parole à la députée, hein, parce que... Ah, bien sûr. Moi, je voudrais juste insister sur deux phénomènes qui sont transversaux. On a beaucoup travaillé à ce moment l'Europe. Le premier, c'est la question générationnelle. La question générationnelle, elle est très importante, aussi bien dans les pays du Sud, aussi bien en France. Et là, on en a un exemple très clair dans la démographie du vote. C'est-à-dire qu'on voit très clairement que les jeunes générations ont voté pour rester en Europe, et les anciennes générations ont voté pour partir.
Et en un mot, les anciennes générations ont voté sur ce qui leur semblait être la meilleure solution pour protéger leur patrimoine et leurs acquis, leur faible patrimoine, leurs faibles acquis. Dans beaucoup de situations, on est bien d'accord. Les jeunes générations ont voté pour se retrouver dans un cadre qui est perçu comme donnant le plus de chances d'un projet de vie. C'est la même chose que l'on a vu en Grèce avec la liquidation du PASOK et la montée de Tsipras, puisque l'un des points essentiels de la campagne de Tsipras, c'était d'organiser la question de l'endettement des familles. Parce qu'en Grèce comme en Espagne, il n'y a pas de loi sur les faillites. Donc les gens deviennent serfs à vie de leur banque. C'est-à-dire qu'on peut tout leur prendre la maison, et ils restent encore endettés, et il n'y a jamais de remise à zéro. Donc c'était un point très important qui, dans les familles, faisait porter aux jeunes la double peine, puisque leur État était en faillite et leur famille était en faillite. Et une grande partie du succès de Tsipras vient de là. En Espagne, on a la question de Podemos. Et en France, le problème se pose autrement, c'est quand même le départ de beaucoup de jeunes, alors plus pour Londres, mais à la fois pour Dublin, pour les États-Unis, pour l'Australie, pour la New Zealand. Voilà. Donc on a quand même des lignes de force qui sont communes avec ce que nous vivons de chaque côté du Channel. Une première, c'est la question générationnelle. Notre analyse, c'est que l'une des grandes faiblesses du quinquennat actuel, ça a été de refuser d'accepter la question générationnelle. Et à partir du moment où on n'acceptait pas la question générationnelle, on n'était pas capable de trouver des clés pour désamorcer les tensions dans notre société et relancer l'économie. Oui. La question générationnelle est assez simple. À partir du moment où on est passé dans une économie avec très peu d'inflation, et même après en zone euro, c'est structurellement un gage qui est donné aux patrimoines qui sont déjà créés. À partir du moment où on est avec des taux d'imposition qui sont très importants, et c'est ce que prouve après Piketty en 500-800 pages dans ses bouquins, structurellement, les gens, donc les générations qui ont déjà constitué leur patrimoine, tendanciellement, naturellement, vont continuer à profiter de la situation, et les jeunes générations vont être celles qui vont payer le sous-investissement, qui vont être les moindres opportunités économiques, et l'ensemble des questions qui sont liées au logement, à l'accès au premier emploi, et l'ensemble de ces domaines. Bon, on en discutera, je vois que tu n'es pas d'accord, mais manifestement, les vagues d'immigration qui sont assez nouvelles hors de l'Union européenne, et pas simplement dans les pays qui ont été les plus touchés. Après, on peut parler du taux de chômage des jeunes en Espagne, en Italie, en Grèce, mais je dirais même dans des pays, j'allais dire, moins touchés comme le nôtre, il y a un problème d'équilibre entre les générations face au poids de la dette. Les nouvelles générations payent beaucoup plus. Payent beaucoup plus à ses pairs. Le deuxième point qui est qui n'est pas purement anglais, c'est que dans les 51%, 52% du Brexit, il y a effectivement une tradition anglaise qui n'a besoin que d'elle-même. Mais il y a aussi, on l'a encore vu aujourd'hui avec Nigel Farage, une version anglaise du même type de populisme que ce qu'on a en Europe de l'Est, de ce qu'on a ici avec le Front National. On pourrait même dire, certainement avec ce qui s'est passé le week-end dernier à Turin, où le maire, qui était unanimement respecté, a été balayé par le mouvement 5 étoiles. Et donc, il y a en même temps, et sans ça, il n'y aurait peut-être pas eu 51 ou 52%, en plus du scepticisme britannique qui existait et qui était les 35% de non du référendum de 75. La différence entre 35% et disons 52%, c'est quand même une version anglaise du même phénomène, qui est le phénomène qui menace l'ensemble de nos démocraties, qui est Alternative für Deutschland en Allemagne, que l'on voit à peu près partout s'exprimer, et qui est grosso modo le miroir de l'implosion des classes moyennes sous le choc de la mondialisation et du néolibéralisme.
C'est-à-dire que ce qui a été initié par Madame Thatcher, ça a été quand même une machine à détruire les classes moyennes qui avaient été érigées après la guerre comme rempart de la démocratie en Europe. Comme l'a dit tout à l'heure Arthur, après la guerre, il y a quand même un package qui est mis en place avec un certain nombre de sécurités de base, la construction européenne, pousser les classes moyennes et le keynésianisme. Et tout ça allant dans le même sens, c'est tout ce qui est des 30 glorieuses, qui maintenant, bon, effectivement, historiquement, ça fait longtemps, mais c'était la base de la reconstruction. Et tant que les citoyens ont quand même perçu que l'Europe était un peu la clé de voûte de l'ensemble de ce deal, jusqu'à peu près aux années 90, il y a eu un soutien réel pour l'Europe. Quand il s'est avéré que la même machine se mettait à faire du thatchérisme, c'est-à-dire à détruire les solidarités et à détruire les classes moyennes, c'est à ce moment-là qu'on a vu à la fois baisser le soutien au projet européen et monter l'ensemble des populismes qui ont pris après des formes, j'allais dire, culturelles et nationales différentes. Voilà. Merci beaucoup, Henri. Maintenant passer la parole à Christine qui, en tant que députée européenne, doit avoir un point de vue assez particulier et assez... Non, il est... c'est un peu trop... Non, mais je l'avais pas. Là, on va pas. Donc, assez particulier et privilégié sur cette situation. Donc, je te remercie beaucoup. Vous m'entendez? Je ne suis pas très bonne pour parler de mon micro. Bonsoir à tous, ça fait très plaisir d'être... parmi vous, dans le Val d'Oise, de revenir. Je n'étais pas venue depuis la campagne, il y a 2 ans. Alors aujourd'hui était un jour assez important au Parlement européen. On avait une session extraordinaire. Session pendant laquelle, à l'issue de laquelle, après les débats, et vous avez dû entendre à la radio, à la télé, les interventions, et notamment celles de Nigel Farage et Marine Le Pen, mais il y avait aussi des progressistes qui ont pris la parole, et après un vote sur une résolution. Je vais commencer par le vote sur la résolution. On a présenté un texte à l'initiative des socialistes et démocrates, du PPE, donc la droite, pas la droite de Cameron, c'est à la droite où nous avons les Républicains français, les Verts et les libéraux, c'est-à-dire le MoDem, les libéraux par l'Europe. Dans cette résolution, on demandait un certain nombre de choses, et à commencer par un premier point qui était d'indiquer qu'il fallait que la notification par le gouvernement britannique se fasse immédiatement. Alors, comme tu l'as dit, ce n'est pas nous, Parlement européen, qui avons la main dessus. De la même façon que ce n'est pas le Conseil des 27 autres États que le Royaume-Uni. En revanche, donc, montrer une indication forte dans laquelle la majorité du Parlement, et bien évidemment, cette résolution a été adoptée, passe, il y a le Conseil des États membres, et je pense que demain matin, lors du petit déjeuner, ils vont aller dans ce sens-là. Ce sont des questions pour savoir qu'on n'était pas et qu'on a passé tant. Il ne peut pas utiliser la résolution d'avance un certain nombre de points où, pour l'instant, la politique qui passe à fond de temps. Ce qu'il faut savoir dans les prises de position aujourd'hui, alors nous, on souhaitait aller plus loin. Il y avait un chapitre 12 dans cette résolution. Elle est accessible et je pourrais vous la faire passer. Je l'ai là, mais j'en ai qu'un exemplaire. On verra ensuite. Elle a changé depuis vendredi. Oui, elle a changé parce qu'il y a eu des amendements et il y a eu des votes article par article. Et donc, par rapport au texte de vendredi, on a mis à jour parce que vendredi, on demandait à ce que le commissaire britannique démissionne. Et là, on disait... Il y avait la version des socialistes et des libéraux qui demandaient à ce qu'il ne soit pas remplacé par un Britannique, et les Verts qui disaient juste qu'il faut qu'il soit remplacé. Ils ont enlevé Britannique. Et c'est la position des Verts qui est passée, votée avec l'aide de la droite PPE. Voilà. Mais il y avait surtout un article 12 qui disait on va retravailler sur le traité de Lisbonne et on va l'aménager. Et on va faire évoluer pour aller un peu plus avant, sur notamment la flexibilité concernant le pacte de compétitivité, qui est un des sujets majeurs. Ce que disait, pardon, c'est un peu décousu, mais c'est une journée émouvante, ce que disait Gianni Pittella, qui est notre président de groupe socialiste et démocrate ce matin, il a fait une très belle intervention. Il disait, bon, il a fait le constat du vote, il a pris acte, point 1.
Ensuite, il a indiqué qu'il est hors de question que nous, Européens, soyons pris en otage par les populistes britanniques. Hors de question. Alors, maintenant, posons-nous les bonnes questions sur notre situation. Et vous en avez fait état déjà. C'est sur notre rapport à la mondialisation, et le fait que dans cette mondialisation, il y a des gagnants et des perdants, et qu'on est responsable d'un échec quant à l'accompagnement, enfin déjà au fait qu'on est perdant, c'est un problème, et donc sur les outils qu'il faut mettre en œuvre. Donc il a appelé à plus de justice, et c'était dans le cadre de cet article 12 qu'on aurait pu enclencher le mécanisme avec le PPE, mais on trouvera d'autres moyens politiques. Plus de justice donc, par rapport à cette flexibilité sur le pacte de compétitivité, plus de justice fiscale, et ça passe à deux niveaux, ça passe d'une façon générale vers une tentative d'harmonisation, mais on sait parfaitement qu'au niveau des 27 États, on n'y arrivera pas, on n'aura pas de majorité parce qu'on a les pays d'Europe centrale et de l'Est qui ne sont pas prêts et qui n'en veulent pas. En revanche, au sein de la zone euro, il y a possibilité d'avancer. On n'aura pas l'outil dès aujourd'hui par cet article 12 de la résolution qui n'a pas été adoptée, mais on le sait, et vous l'avez certainement vu dans la presse, qu'il y a quand même un angle de travail convergent entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Et c'est très important qu'il y ait l'Italie aussi dans le jeu pour qu'on ne soit pas uniquement dans un couple franco-allemand qui exaspère beaucoup de nos collègues, et il faut toujours être très prudent là-dessus et toujours rechercher à élargir au maximum. Donc ça, c'est important. Plus de justice aussi dans le respect de la démocratie. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas considérer qu'on ne doit pas tenir compte du vote des Britanniques. On doit en tenir compte. Mais on doit aussi tenir compte d'autre chose. Parce qu'il y avait eu des interventions très fortes ce matin, de la part notamment d'un indépendantiste écossais, qui a rappelé que l'Écosse, parce que le vote, c'est vrai que c'est un vote de génération, même si chez les jeunes, ils ont principalement voté pour le Remain, mais se sont principalement abstenus. 78% des jeunes se sont abstenus. Là où ils se sont le moins abstenus, c'est à Londres. Londres est le seul îlot de l'Angleterre à avoir maintenu le Remain. Après, où on trouve le Remain, c'est en Écosse, très majoritairement, 62%. En Irlande du Nord, et ce matin, on a eu aussi une députée européenne, membre du Sinn Féin, qui est intervenue. Et les deux, l'Écossais indépendantiste et la membre du Sinn Féin irlandaise du Nord, sont intervenus en disant « Mais nous, dans notre nation, parce que le Royaume-Uni, c'est une différente nation, on est européen, on est irlandais ou écossais et européen. » Et ce qui peut se jouer là, c'est aussi cette question-là, parce que dans le mécanisme de sortie du Royaume-Uni, pour nous, on considère que le divorce est posé et que on ne négocie pas avec eux tant qu'on n'a pas eu la notification. En attendant qu'ils la notifient, on leur a juste fait comprendre que pour nous, c'était rapide. Nous, on avance. Et on avance sans eux. Mais on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas la situation, ou alors on se trompe, de l'Écosse, de l'Irlande du Nord, qui est vraiment posée là. Et comme le Royaume-Uni, pour poursuivre, doit avoir un vote dans son Parlement, pour acter leur propre référendum et qu'aujourd'hui ils n'ont pas de majorité, première difficulté, plus les parlements des différentes nations. En tout cas, l'Écosse et l'Irlande du Nord, il est très peu probable qu'ils valident ce référendum. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas si finalement il sortira ou pas, mais ce qui est certain, c'est que nous, on avance sans eux, quoi qu'il arrive, puisque on a considéré que le vote populaire avait lieu. Donc maintenant, la question est... si vous n'en avez pas pris encore connaissance, c'est normal parce que c'est sorti hier, mais le Parti Socialiste hier a sorti qu'il y ait de la présidentielle sur Europe et international, et qui reprend un certain nombre des propositions qu'on avait déjà présentées à l'automne dernier, où on faisait déjà un appel pour que le PSE se ressaisisse un peu et puis cesse avec cette politique de coalition pour être beaucoup plus clair vis-à-vis des citoyens européens et fasse une politique beaucoup plus conforme d'abord à nos objectifs. Et si, et parce qu'on le sait, aujourd'hui on est devant un échec. Moi je me bats dans la commission des transports pour faire en sorte qu'on lutte contre le dumping social.
la lutte contre la non-application de la directive des travailleurs détachés, les salaires verrouillés, etc. Mais on est fracturé, notre famille socialiste et démocrate, entre l'Europe centrale et de l'Est et l'Europe occidentale sur des niveaux de salaire qui ne sont pas du tout les mêmes, et ils ne veulent pas qu'on applique cette directive. Et aujourd'hui, le résultat, c'était la semaine dernière, la Commission a envoyé une procédure d'infraction à la France parce qu'elle voulait respecter cette directive et qu'elle voulait faire en sorte que tout chauffeur routier qui travaille sur le sol français devait être payé comme un salarié français. Voilà. Donc on a ces sujets-là qui font que, et on le met dans le texte du cahier de la présidentielle, on l'avait déjà abordé, sur le fait que sur certains sujets, et notamment les questions sociales et fiscales, il va être indispensable de passer par un système où on n'avance pas à marche forcée à 27. Sinon, on n'avancera pas du tout. Et en revanche, on ne peut pas fermer de porte non plus, parce que si on ferme des portes, alors là, c'est effectivement la fin de l'Europe. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a trop attendu. Quand on a eu l'annonce en février du deal inacceptable qu'avait passé, enfin le chantage qu'avait fait Cameron vis-à-vis du Conseil sur les conditions pour lesquelles il serait éventuellement prêt à faire la campagne pour le remain de son super référendum, qui était juste une occasion pour lui de gagner les législatives de l'année dernière, c'était quand même pour une question interne qu'il a mis le bazar. On était scandalisés, mais nos copains britanniques, enfin, les travaillistes, qui sont députés européens avec nous, ils sont 20 dans le groupe, c'est une délégation plus forte que les Français, qui ont fait une campagne de malade pour le Remain, évidemment, même si ce n'est pas le cas de tout le Parti travailliste. En tout cas, les députés européens, je peux vous dire, qui se sont battus et qu'aujourd'hui, ils sont très très mal, évidemment, nous indiquaient, nous ont demandé, s'il vous plaît, de février à juin, avancez pas trop sur des critiques sur le Royaume-Uni, parce que nous, on a besoin de faire notre campagne en interne, mais si vous continuez, si des Européens non-britanniques tapent sur le Royaume-Uni pendant 4 mois, c'est sûr qu'on va perdre. Donc, on a respecté ça, et en même temps, on a commencé à préparer la suite. Et la suite, ça passera par quoi? Et Jenny Pitella l'a dit rapidement, mais c'est important ce matin dans son discours, il a dit, parmi le plus de démocratie, il faudra que le président de la Commission européenne soit élu au suffrage universel direct par les citoyens européens en même temps que l'élection des députés. Et ça, ça veut dire qu'on arrête clairement le principe selon lequel on a un président de commission qui est issu du parti majoritaire, c'était déjà une avancée, et avec des commissaires de différents groupes, non, on a une ligne politique claire, quitte à perdre, ou à gagner, mais on remet de la cohérence et au moins on redonne un souffle à cette Union européenne. Donc voilà, il y a des choses qui avancent. La révolution est pas, c'est pas une révolution, c'est une réforme. Mais j'entendais dans les médias en venant ce soir certains qui considèrent que finalement faut casser l'Europe pour la reconstruire. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment, si on casse cette Union européenne, on a des chances de la recréer. Il faut au contraire retrouver et redonner la confiance et donc se rapprocher des citoyens pour démontrer tous les bienfaits de l'Europe. Si les jeunes au Royaume-Uni, pour ceux qui sont venus voter, ont majoritairement voté par le Remain, c'est parce qu'ils sont convaincus de ça. Il y a toute une génération qui n'a jamais connu leur pays en dehors de l'Union européenne. Et on connaît les avantages, et il y en a eu. Et il y a eu une politique en faveur de la jeunesse, en tout cas en France, elle a été active. En Europe, il y a eu la garantie jeunesse, Erasmus+, on en parle beaucoup, c'est voté, mais je trouve que comme ça ne s'applique pas, on continue à dire qu'il faudrait faire ça, mais normalement ça devrait être le cas. Donc il y a un certain nombre de propositions qui existent là et qui sont sur la table. Et il faut les développer, mais il faut les développer en changeant ce système et aussi... je crois, en faisant en sorte qu'on ait une plus grande, un meilleur équilibre entre le Parlement européen et le Conseil des États membres, où actuellement c'est vraiment ce niveau-là qui fait blocage de beaucoup, beaucoup de choses, parce qu'il y a une disparité politique qui est incommensurable et c'est le problème que ça n'avance pas. Donc voilà, c'était des petites choses, et puis après, le débat commence. Transition. Donc maintenant, on va prendre les questions.
questions là-bas. Pardon ? Des questions là-bas. Oui. Si vous pouvez vous déplacer pour poser des questions. Ah non, c'est pas une question. Alors, pour les interventions. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Alain, je suis de la section des rails sur moi. Moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je trouve, j'étais un peu saignant dans mes propos. C'est une bonne initiative et c'est une très bonne évolution pour le faire de kit. Comme tout à l'heure, ils ont toujours été plus les deux pieds chez eux que d'avoir un pied chez nous et un pied chez eux, ou deux pieds chez nous, au niveau européen. C'est des gens bon, qui sont. J'avais un prof qui disait toujours qu'il est du Nord, et depuis qu'ils nous ont exilé Bonaparte et volé Jeanne d'Arc. plus sérieux. C'est regrettable parce que ils ont toujours eu une politique, je crois que de l'Europe, mais je ne veux pas y rentrer, pour plusieurs raisons. Vous avez une autre. Et je pense que ça peut donner un nouveau tournant à l'Europe. Moi, je suis un pro-européen. Pour moi, c'est je suis issu, je suis d'origine belge, je suis déjà européen de naissance. Non. Ça m'aurait arrangé fiscalement, mais non. Je pense que c'est un bon tournant, ça peut être un très bon tournant de l'Europe, et je pense que c'est nos politiques qui doivent faire un grand pas en avant, et je pense que c'est un petit peu de ce que vous disiez. Je pense que c'est le moment de lancer l'idée de faire une Europe fédérale avec tout ce que ça peut apporter, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau justice, que ce soit au niveau défense, que ce soit au niveau économique, que ce soit. Voilà. Je pense que là, ça peut être vraiment tournant. Peut-être pas demain. Voilà. Et c'est quelque chose qui serait bien. Voilà. Je t'en remercie. Question de Daniel. À l'écran. Oui, moi j'avais deux questions. La première, c'est qui peut répondre aujourd'hui avec certitude sur la sortie ou pas de Royaume-Uni. Moi, il me semble. Alors, il est vrai que. L'Écosse avec 70%, que l'Écosse, je l'ai déjà dit, qu'elle envisageait déjà éventuellement un référendum en étant prudente, car si effectivement il y a sortie réelle, l'Écosse, ça va relancer le débat sur l'indépendance de l'Écosse, et on va aller vraiment les unis. Et comme vous avez dit, le Sinn Féin pense aussi à revenir et demande à ce qu'il y ait union de l'Irlande du Sud et de l'Irlande du Nord. Ce que voudrait dire, si le processus se fait au bout, que le Royaume-Uni risque vraiment d'être totalement désuni. Et c'est vraiment un traumatisme actuellement. C'est un traumatisme. Mais moi, je pense que peut-être tout le monde est. Enfin, moi, j'ai cru entendre dans ce que vous disiez qu'il y avait une possibilité que ce ne soit pas voté. J'ai lu, comme tout le monde, qu'il y avait une pétition de plus de 2 millions, qui. Maintenant, c'est peut-être 3. Qui disait que, qui évoquait un article selon lequel on pouvait avoir un deuxième référendum si le premier résultat n'avait pas été à 75% de participation, et c'était 72, et pas à 60%, et c'était à 52. Est-ce que cette règle, elle existe vraiment? Est-ce que vous pensez que ça peut jouer? Est-ce que c'est réel? Ou est-ce que simplement dans la protestation absolument compréhensible et Remain? Bon, moi, j'ai une vraie question sur. Et que fait l'Europe actuellement? Il faut avancer à 27, on ne peut pas ne pas donner. Parce qu'effectivement, vous avez très bien dit que Rose Johnson et les autres se mordaient peut-être un peu les doigts. Comment ça réaliser que ça allait peut-être plus loin qu'ils ne voulaient. Bon, c'est la première question. La deuxième question, alors, sait-on vraiment, et qu'est-ce qu'on sait actuellement de la réelle possibilité ou non? Et que pensent les dirigeants européens? Je pense qu'il y a déjà un européen. Ma deuxième question, c'est aussi sur le comment, quoi qu'il arrive, comment vraiment expliquer mieux l'Europe aux gens pour qui elle est très lointaine. Dans les régions d'Angleterre qui ont voté pour le Brexit, pour le Leave, pour sortir, ce sont parmi les régions les plus aidées par l'Europe. Mais ils n'ont pas compris.
qu'on ne leur a pas dit. Ils ne l'ont pas compris, ça fait partie des perdants de la mondialisation. Deuxièmement, vous avez parlé tout à l'heure des 5 millions, mais il y a des mensonges éhontés. Donner 350 millions chaque semaine, l'Europe nous prend 350 millions, ce sont des tracts qui ont été distribués. Let's give our energies to 350 million, the UK takes every week. L'Europe prend chaque semaine 350 millions. Le lendemain de l'élection, Nigel Farage a reconnu que c'était, à une question du journaliste, que c'était une erreur. Que c'était une erreur. Une erreur qu'il met sur le dos de Boris Johnson. Ça a été reconnu le lendemain que ces tracts distribués étaient une erreur et Nigel Farage l'a mis sur Boris Johnson. Boris Johnson, qui n'est pas le dernier, enfin, c'est scandaleux. Alors, il y a des mensonges et il y a aussi tout ce qu'on ne sait pas aussi bien en France d'ailleurs sur l'attribution des fonds structurels et comment ça change notre vie au quotidien. Et je pense que dans l'avenir, quoi qu'il arrive, parmi les orientations à donner à l'Europe, moi je ne suis pas persuadée que c'est le moment de l'Europe fédérale, je pense que c'est l'Europe des projets. Et où on, si à Londres, les jeunes ont voté énormément, c'est le programme Erasmus a beaucoup joué. Je pense que lorsqu'on fera comprendre par des projets concrets comme Erasmus et d'autres, et que les fonds structurels sont vraiment expliqués, et aussi que nos parlements nationaux et nos dirigeants nationaux arrêteront de se défausser sur l'Europe, parce qu'eux-mêmes, sur certaines directives, disent c'est l'Europe qui, en rendant les directives plus difficiles, que ce soit sur les œufs, que ce soit sur l'échelle de sécurité par rapport à accueillir des cerises, ça, c'est effectivement des directives de l'Europe pour protéger les travailleurs, est rendu beaucoup plus difficile en France. Et ça, il y a une explication dans tous les pays, et chez nous, il y a une responsabilité. Voilà. Sur, dans l'avenir, comment mieux expliquer l'Europe, parce que les gens ne savent pas quand ça ne va pas jusqu'à faire passer des mensonges. Merci beaucoup, Daniel. Une dernière question, peut-être Yanis, et puis après on répond. Bonsoir, Yanis, du Parti Socialiste et du MJS, et je regrette d'ailleurs que le MJS 95, dans sa majorité, ne soit pas là. Je leur ferai un compte-rendu avec grand plaisir qui dira lui la vérité. Obligatoire. Non, moi je voulais faire un témoignage et j'aurais pour le coup deux questions. Moi je vous ai parlé, moi je suis un pro-européen, convaincu que l'Europe de demain, en fait, ça doit être les États-Unis, en fait, d'Europe, tout simplement. Et là où je suis pas d'accord avec ce que tu disais, c'était la question de la jeunesse, la question générationnelle. En soi, moi je suis à l'université, je suis en Master 1, et le projet Erasmus, y a des gens qui partent, entre autres, c'est arrivé dans ma promo, on a deux copains qui sont partis, une en Écosse et une à Londres, et il s'avère qu'elles ont décidé de faire leur vie là-bas, parce que tout simplement le monde est totalement différent, et pas forcément pour des raisons économiques. Parce que moi, cette question-là et cet argument-là, je le prends vraiment avec des pincettes, parce que ça dépend de quelle jeunesse on parle dans ce cas-là, si c'est une jeunesse des salariés ou une jeunesse estudiantine, ça c'est la première vraie question. Ensuite de ça, les londoniens, les jeunes londoniens qui ont voté en majorité pour le Remain, ce sont des jeunes qui ont la culture de l'Europe, et surtout qui ont cette culture de l'européanisme dans son sens le plus extrême, où il devrait y avoir des États-Unis d'Europe. Et moi je pense qu'on devrait se réjouir, en fait, tout simplement, qu'il y ait des jeunes, justement, qui partent, qui quittent la France pour aller s'installer à Londres, comme à Berlin, à Stuttgart, à Rome, ou partout en Europe de l'Est aussi. La deuxième des choses, c'est l'Europe des cultures. Et là, j'ai une première question, c'est quelles sont les politiques éducatives ou culturelles que pratique le Royaume-Uni? Ça, c'est une vraie question, parce qu'elle induit forcément, en fait, le vote actuel du Brexit, comme ce que tu disais, ce que je voulais dire, dans les coins les plus reculés de Londres, mais qui bénéficient le plus d'aide de l'Union européenne. Donc il y a peut-être, en fait, une mauvaise compréhension de l'Union européenne. Et donc, moi, ma question, c'est comment est-ce que vous, à Sauvons l'Europe, vous analysez ce vote-là, qui est, en fait, un vote au-delà du générationnel de personnes qui sont sensibilisées, financièrement en tout cas, à l'Europe. Ensuite de ça,
je voulais faire un autre clin d'œil. Moi, je suis membre du scoutisme français et je suis député européen pour le scoutisme français. Et justement, aujourd'hui en France, c'est la première fois depuis 1947. C'est le mouvement de Deroux, c'est ça ? C'est le mouvement de ? De Deroux. Oui, c'est un peu ça. Et où aujourd'hui en France, c'est la première fois depuis 1947 qu'on organise un très grand camp européen qui s'appelle le Roverway, et où il y a 5000 jeunes qui participent entre 17 et 22 ans. Et ce sont des enfants, enfin des jeunes, qui sont persuadés que l'Europe, c'est l'avenir du scoutisme et que c'est l'avenir tout court en fait. Du monde, qu'il soit économique, social ou culturel. Et j'aimerais savoir si, ou toi, au Parlement, ou vous, à Sauvons l'Europe, vous avez cette vision-là d'une Europe, au-delà qu'elle soit progressive, qu'elle soit positive. Et comment, nous, en tant que militants et camarades du Parti Socialiste et du Parti Socialiste Européen, on peut contribuer, en fait, à, cette, à ce rayonnement de l'Europe positive. Merci beaucoup. Alors, si avant de vous servir, si on devait résumer, il y a plusieurs interrogations dans les premières questions qui m'ont été posées. C'est déjà, est-ce qu'il faut se réjouir ? Je vais tourner sur la forme interrogative. Est-ce qu'il faut se réjouir de la sortie Moi, je ne me réjouis pas. Oui, c'est pour ça que je précise que moi, je tourne sur la forme interrogative pour permettre à nos intervenants de répondre. Donc, est-ce qu'il faut se réjouir de la sortie de la Grande-Bretagne ? Parce que, est-ce que ça peut être l'occasion de relancer le projet européen ? Là, les interventions se rejoignent. Est-ce qu'il faut plus de fédéralisme ? Est-ce qu'il faut une Europe des projets ? L'autre grande question qui traverse vos deux interventions, c'est comment, en gros, faire aimer l'Europe, mieux la faire comprendre, et j'aimais bien l'expression que tu as employée, qu'elle soit un peu dans les tripes des personnes, plutôt que dans les tâches. On va laisser la parole peut-être à Christine. Après, vous pouvez. Sur les questions d'Yanis, vous avez été fermé. L'Europe fédérale, moi aussi je l'avais. Et quand on est socialiste, surtout français, il n'y a pas un texte où on ne le met pas. Donc ça, c'est notre objectif. Aujourd'hui, on ne va pas la faire tout seul, c'est con. Et on ne la fera pas à 27 aujourd'hui. Voilà, donc c'est l'objectif, il ne faut jamais le lâcher. Il faut avancer le plus possible vers ça. Et par rapport aux Britanniques, il y a des Britanniques qui se sentent européens. Il y en a 52% qui ont voté pour le Remain. Alors certains ont... Vraiment parce qu'ils étaient convaincus, d'autres parce que visiblement le lendemain ils regrettaient. Mais c'est pas tous les Britanniques qui sont anti-européens, c'est pas vrai. Il faut faire toujours très attention à ça. Donc il faut avancer sur cette idée. Et sur quelle solution pour le Royaume-Uni, est-ce qu'il va sortir, oui, non, comment, etc. Que va-t-il arriver du Royaume-Uni justement avec l'Irlande du Nord et l'Écosse? Je ne peux pas. Personne ne peut te répondre aujourd'hui. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que ce soit notre seul souci aujourd'hui, sans état. Mais comme on disait, et d'ailleurs dans la suite de ton propos, tu le développais, on a besoin de parler plus d'Europe et concrètement ce que fait l'Europe pour les citoyens européens, ou que ce soit. Sur les allocations des fonds structurels, oui, c'est vrai, c'est pas assez mis en avant. En France, beaucoup disent le Frexit, super, etc. Les agriculteurs, ils sont souvent très anti-européens, ils râlent toujours après Bruxelles, mais si on n'avait pas la PAC, je pense qu'ils n'en seraient pas là où ils en sont. Donc, dans notre discours, dans la façon de parler d'Europe et des mesures, il faut absolument qu'on change. Alors, je crois qu'il va y avoir une partie, il y en a déjà, hein, des militants, des activistes, vous en avez deux là. Spécimen très. Voilà, mais je crois qu'il faut vraiment. On est rentré dans cette bataille-là. Il ne faut jamais oublier que ceux qu'on appelle les populistes, mais bon, après tout, le peuple leur appartient pas. Hein. Le peuple, c'est tout le monde, c'est nous, c'est vous, c'est. Il faut que nous, on reprenne le contact avec les citoyens, avec les gens, qu'on explique les choses et qu'on les explique de façon. Positive et constructive. On a cette responsabilité-là. Nos dirigeants aussi l'ont pour effectivement pas uniquement parler d'Europe quand il y a une crise comme aujourd'hui avec le Brexit ou quand on est en période électorale européenne et puis après le lendemain, pouf, on oublie. Ça, c'est récurrent, il faut avancer. Et les médias aussi, qui sont notre interlocuteur. Assez présente sur les réseaux sociaux et j'ai beaucoup de journalistes qui sont au Parlement européen en permanence. Je les suis et c'est toujours très intéressant de voir leurs commentaires sur l'actualité. Et ils ont vu débarquer leurs collègues de Paris
qui n'y connaissent rien à la question européenne, qui ne viennent jamais, et qui font partie de ceux qui font que toutes les émissions européennes, plus ça va, moins il y en a. À la radio, à la télé, c'est très très rare. C'est vraiment sur des segmentations, généralement très tard le soir, à des moments improbables. Et qui sont là parce que voilà, ça fait vendre aujourd'hui, donc ils reviennent, et puis après ils repartiront, et puis ils continueront à écrire dans leurs papiers. Mais ça c'est la faute de l'Europe. Donc on a c'est un travail de vraiment de militant. Il faut reprendre les choses et ne pas oublier que quand Marine Le Pen a percé, ce que Jean-Marie Le Pen faisait pas trop ça, c'est plutôt elle qui a mis ça en avant, à taper sur l'Europe. Au départ, elle n'était pas entendue, mais petit à petit, ça s'est fait. Pourquoi uniquement les europhobes pourraient avoir ce monopole de la parole? C'est à nous aussi de le prendre, à marteler et à dire des choses fortes. Parlons d'Europe fédérale, pourquoi pas? Enfin, il faut aller dans les choses les plus fortes. Et puis parlons aussi de la question de la crise de l'accueil des réfugiés, qui est l'une des raisons pour lesquelles l'Europe aujourd'hui se fracasse, parce qu'il y en a qui considèrent que c'est un danger, ou ça provoque des peurs, ou c'est à cause de ça que... Non, c'est pas expliqué comme il faut. Regardons comment ça se passe en Allemagne. Voilà. En Allemagne, l'AFD, elle n'a pas fait ses voix là où il y a eu des maires qui ont accueilli des réfugiés, mais là où il n'y a pas eu d'accueil de réfugiés. Partout où il y a eu un accueil, je suis allée à Hambourg, et c'est remarquable, hein, c'est un réfugié pour 60 habitants, pour vous montrer le nombre de réfugiés accueillis. Dans ces régions-là, les maires, soient démocrates chrétiens ou qu'ils soient plutôt SPD, ont été confortés. Partout où ils avaient un discours un peu plus à reculons, on ne sait pas, etc., boum, la FD est rentrée dedans. Donc il faut qu'on s'affirme, et on a une responsabilité. Et nous, au niveau du Parlement européen, il faut qu'on soit plus clair dans nos choix et qu'on arrête avec cette grande coalition qui ne fait que du mal au final. C'est pour ma partie, c'est pour ça que je vous laisse. Ce qui passe mal, c'est que c'est pas de... Bon, perdre, c'est jamais rien, mais perdre face à avec un maître chanteur et un menteur, ça dépasse le problème que l'Union ne soit pas si bien que ça, que tout n'ait pas été réussi, que... la commission Barroso était un désastre pendant 10 ans. On a eu quelqu'un qui nous rappelle des choses à la fois en France et à la fois dans le passé qu'on ne veut pas voir, et qui a arnaqué tout le monde, et qui le lendemain a été dire à la télé que la fameuse affiche que tu montrais, si je l'ai dit, je me dédie. Et c'est là-dessus qu'il a fait passer la sortie de la Grande-Bretagne. Donc il y a aussi un sentiment de se demander Détroit entre Cameron, Johnson et le Farage, qui est le plus crétin des trois, et c'est ça aussi, je pense, qui passe mal. C'est que le débat, il a été biaisé, il a été piqué par l'immigration, il y a eu une mort, il y a quand même eu Joe Cox, parce que finalement, tu pourrais parler de Joe Cox comme un peu le symbole de tout ce dont tu parles se résume en quelque part au parcours de Joe Cox. Donc il faut quand même pas non plus se lamenter de façon excessive, au-delà du fait qu'effectivement les choses ne vont... Il y a beaucoup de choses à reconstruire en Europe, mais c'est pas là-dessus que les Anglais ont voté. Ils ont voté parce qu'on leur a menti sur des faits. Et comment, dans une démocratie que l'on prenait tous comme quand même les plus sérieux, moi j'ai longtemps cru que le Brexit ne sortait pas, parce que je disais, le seul peuple qui prend vraiment sérieusement un vote... un vote au sérieux, vraiment, c'est les Anglais, c'est eux qui l'ont créé, ils vont avoir un vrai débat. Mais non, il n'y a pas eu de vrai débat. Voilà. Et quand on voit ce qui s'est passé en 2016 en Angleterre, c'est sûr qu'on pense à ce qui peut se passer en France en 2017. Hein. Okay. Ça, c'est clair. Et le discours de Marine Le Pen ça répond un peu à ton affirmation. Je ne sais pas si vous avez d'ores et déjà pensé que c'est que l'Angleterre soit sortie soit une bonne chose, parce que ça va relancer, déjà on n'en sait rien, mais ce qu'on voit, ce que tu dis avec force et que tu dis aussi dans ton propos à Philippe, c'est que cette sortie par les raisons pour lesquelles les personnes ont voté non, les raisons sont assez effroyables et très inquiétantes pour l'avenir. C'est la montée des populismes, la haine, le rejet et la haine des immigrés, et emmené par des leaders, je ne sais même pas si on peut être populiste maintenant, parce que ça a presque trouvé un autre vocabulaire, parce qu'ils sont
Alors est-ce que c'est ça l'essence sur son plateau. Est-ce que c'est, ouais, c'est ça, est-ce que c'est ça même l'essence du populisme, c'est tout est bon pour avoir les voix du peuple, même les mensonges les plus grossiers et hontés. De toute façon, pour les populistes, l'Europe est le facteur de tous les maux de la vie de tous les jours. Juste, et après je leur prends la parole, Marine Le Pen, je vais vous dire les phrases choc. L'Union européenne s'est construite contre les peuples. Il faut briser les chaînes qui nous lient à l'Union européenne. Briser les chaînes. À cause de ces politiques absurdes de désindustrialisation, de chômage de masse, d'immigration massive. Vous, les propagandistes, en parlant des autres députés européens, nous sommes les propagandistes. Voilà. Et ça, je pense qu'elle va, ça va être les mots-clés qu'elle va sortir pendant un an. Bien sûr, elle a dit qu'elle se réjouissait parce qu'elle avait un an pour faire la même chose en France. Et à parler aussi du Parlement européen et de ce que représentait l'Union européenne comme une organisation totalitaire. À laquelle elle participe. Il faut bien qu'elle mange, hein, stipendier d'une organisation. Série de questions. Non, c'est fini, parce qu'en fait, il y en a une autre. Alors, comment convaincre, déjà, parce que quand même, la question a été posée. Et je fais juste une rapide parenthèse pour avoir traité le point sur est-ce qu'il y a une possibilité de revenir sur le référendum. La réponse est légalement oui. Légalement, ils avaient fait extrêmement attention dans le projet de loi dans lequel ils ont organisé le référendum pour que ils ne disent pas quelle est la conséquence du référendum et qu'ils écrivent au contraire que la décision finale doit être prise par un vote du Parlement britannique. En d'autres termes, le référendum, d'un point de vue technique, est consultatif. D'un point de vue politique, c'est bien évidemment complètement autre chose. Et c'est pour ça que l'annonce de nouvelles élections dans 6 mois m'avait pensé qu'ils allaient essayer de faire traîner les choses jusqu'à pouvoir revenir politiquement dessus auprès des électeurs. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de revenir dessus? Oui, et je pense que certains au Royaume-Uni essayent de la jouer compte tenu quand même du merdier que ça fout, pas seulement dans les relations avec l'Europe, mais dans les relations que ça fout avec l'Irlande, l'Écosse et Gibraltar, n'oublions pas Gibraltar tout de même. Et le nouveau canal de Panama aussi. Maintenant, comment convaincre? Alors, il y a un mot-clé qui a été prononcé tout à l'heure, c'est Europe fédérale. Il se trouve qu'à Pour l'Europe, nous sommes complètement fédéralistes, jusqu'au pognon. Et que c'est un mot que nous ne prononçons jamais. Parce qu'il est devenu un espèce d'étendard claquant, et que finalement, les étendards claquants, on ne sait jamais finalement très bien ce qu'ils veulent dire. Nous, on préfère un mot qui veut dire exactement la même chose, c'est démocratie. L'Europe doit devenir une démocratie. Un des problèmes fondamentaux qu'on avait retrouvé dans la mauvaise... C'est pour ça que je disais que ça a réveillé des choses. C'est que dans le référendum de 2005, il y avait eu des raisons tout à fait justifiées ou acceptables de voter non, et on continuait à refaire le match entre amis des années après. Et puis il y a quand même des choses qu'on avait entendues qui étaient du niveau des tracts du NHS sur la constitution va interdire l'avortement et autre chose comme ça. Si, c'était sorti. C'était Jean-Luc Mélenchon, merci. Voilà. Hein, et autant l'affiche sur le plombier polonais d'attaque, elle reste encore à peu près assumée, mais l'affiche sur Anna, prostituée slovaque d'attaque, celle-là, bizarrement, elle n'existe plus, plus personne ne l'assume, moi je l'ai encore. Donc, dans une partie du non, et on avait eu, ceci dit, pour être tout à fait franc et voir les deux côtés, une partie du oui pour rester au Brexit a fait campagne uniquement sur la peur en disant ça va être la troisième guerre mondiale si on part. De la même manière, à l'époque en 2005, une partie du camp du oui avait raconté absolument n'importe quoi, que l'Europe allait exploser en vol. S'il n'y avait pas de oui. Mais ça signifie quand même quelque chose, c'est que pour aller croire des choses aussi absurdes, parce qu'en réalité ce sont des choses qui sont complètement absurdes dès qu'on se pose la question une seconde, c'est qu'il y a derrière une méfiance
extrêmement profonde envers les centres de pouvoir et en particulier envers la partie la plus opaque du système de pouvoir. Et aujourd'hui, l'Europe, c'est la partie la plus opaque du système de pouvoir. Pourquoi ? Non pas parce que c'est une technocratie, parce qu'en réalité, les États ont repris énormément de pouvoir dans le mécanisme, et en fait, c'est beaucoup au niveau des réunions ministérielles que ça se joue. Mais parce que ça se joue en négociation derrière porte fermée sur tous les sujets en permanence et pendant des mois, et que personne n'y comprend rien, y compris ceux qui connaissent, et y compris ceux qui font partie du système législatif qui essaye désespérément de comprendre quel est le deal qui est sorti du truc. Le TAFTA est un bon exemple. Le TAFTA est un très bon exemple. Ouais. Et c'est la négociation, en fait, je dirais, la plus transparente, sans doute, qu'on ait connue. Hein, non, on est d'accord. Le plus, et voilà. Et où les textes sortent le plus, quand même. Bon. Finalement. Non, mais oui. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on a comme démocratie ? Et au final, une démocratie, en vrai, une fois qu'on a viré toute la théorie politique classique et qu'on regarde ce que voient les gens d'une démocratie, une démocratie, c'est les guignols de l'info. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 personnes qui ont bien été identifiées comme les responsables. On sait à peu près ce qu'elles disent et on sait à peu près ce qu'on peut leur attribuer ou pas. Aujourd'hui, au niveau national, on a ça. Au niveau européen, on n'a pas ça. Et donc, on peut croire absolument tout, n'importe quoi, venant de l'Europe. Il faut qu'il y ait, je dis bien, une classe politique européenne qui soit la même, parce qu'elle sera sans doute pas meilleure que les classes politiques nationales, je suis désolé de le dire. Et quand on regarde les Anglais, 2-3 autres, et l'opinion, malheureusement, que les Français ont aujourd'hui de leur classe nationale... Bon, ce sera les mêmes, sans doute. Mais il faut qu'il y ait une classe politique européenne qui soit identifiée par les citoyens européens, qui porte des propositions qui soient identifiées par des citoyens européens, que les actions de l'Union européenne leur soient clairement attribuables. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et ce que tu disais sur la place à la télévision, c'est absolument central. C'est pour ça que l'ensemble quasiment des associations pro-européennes françaises, au moment des élections, avaient fait une action qui s'appelait « Plus d'Europe à la télé », dont le but n'était pas d'avoir plus d'émissions où on explique l'Europe, mais d'avoir des émissions où des responsables politiques européens de gauche, de droite, du centre, etc., viennent s'emplafonner, comme ils le font dans les émissions politiques nationales, parce qu'en vrai... C'est comme ça que les gens comprennent quelles sont les divergences politiques et que la démocratie, en vrai, au final, c'est ça. Merci beaucoup, Arthur. Alors, on va prendre les questions, on va aller dans ce sens-là, hein, jusqu'à la droite. Marie-France, puis Jonathan, Pierre. Marie-France, secrétaire fédérale. Valérie. Alors, moi, c'est un petit peu mon sentiment. Le micro. Ah, bon, d'accord. Oui, voilà. Je voulais simplement dire que la campagne a été vraiment d'une violence, très grande violence, extrême. Que si ça se passait en France, ça serait la même chose. On n'a pas à critiquer les gens qui ont le groupe. Ils se sont fait avoir. Complètement avoir. Qu'est-ce que je veux dire ? Nous devons respecter leurs choix. Et c'est surtout ce qui me paraît le plus important maintenant, ce sont les négos qui vont arriver avec les 27. Alors, il faudrait qu'on continue avançons, et il faut assumer nos choix, être fiers de ce que nous assumons, de tous nos choix. Et puis, je voulais vous poser la question aussi, comment ça se passe dans l'hémicycle avec les députés anglais en ce moment, qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils font... Est-ce qu'ils sont un petit peu abattus ? Ou est-ce que... Voilà. Voilà, je voulais poser simplement cette question. Et moi, je suis de nature assez optimiste, et je me dis que... Je pense qu'on va s'en sortir et qu'on va vraiment y arriver. Merci beaucoup, Marie-France. Jonathan. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis militant à la section de Saint-Aulmois avec Aïda. Section pro-européenne. Oui, section pro-européenne et bien d'autres sections encore. Alors donc effectivement, je regrette un peu que le Royaume-Uni ait décidé vraiment de sortir, alors qu'au départ, le sentiment que j'avais de la part des Anglais, c'était quand même qu'ils avaient convenu que l'Europe était un gros gâteau, bien sympathique,
et qu'ils pouvaient largement apaiser leur faim en utilisant tout ce qu'il y a de meilleur dans l'Europe après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Reste qu'ils ont quand même débarqué pour nous aider, pour pas les tuer, c'est quand même très important. Et que, bon, en même temps, il est clair qu'ils ont aussi la planche à billets. Donc, nous, on est un peu les pieds et les mains liés, on ne peut pas battre la monnaie, que l'Angleterre peut battre la monnaie, c'est quand même pas rien, hein. Je veux dire, ça peut être joué. Bon, c'est clair que normalement, ils n'auraient jamais dû sortir, et voter en tout cas pour la sortie, mais je crois que les tabloïds anglais les ont bien lobotomisés. Et ça fait quand même quelques décennies que ça dure contre cet euroscepticisme. Moi, ce que je voulais constater aussi de ce côté-là, c'est que de savoir que, par exemple, quand on a des entreprises, des grandes multinationales comme Google, qui impunément siphonnent tout ce qui a siphonné en Europe sans faire le retour, je pense que ce que tu as dit tout à l'heure concernant la classe moyenne et la classe populaire, en général, elle ne voit rien arriver parce qu'elle s'est retenue comme des barrages, hein. C'est retenu en amont, et qu'effectivement, même s'ils ne touchent pas le fruit direct de ça, de savoir qu'ils se font dépouiller alors que chaque citoyen apporte une contribution à Google ou d'autres opérateurs dans ce domaine-là du numérique, et là, c'est quand même très important. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on n'a pas donné le vrai sentiment d'une réelle résistance à ce que les empires anglo-saxons font à l'encontre de l'Europe. Ça, c'est quand même important. Et nous-mêmes, on est un petit peu pris en otage de ce côté-là. Donc maintenant, de savoir si l'Europe peut accepter un aller-retour du Brexit en disant, ben voilà, on a regretté, on s'est planté, mais si on commence à faire comme ça, que va-t-il se passer pour les autres pays, puisque ça prête le flanc à Madame Le Pen, justement, qui profite de ça pour se faire valoriser à nouveau. Mais reste que maintenant, ce qui est important, c'est qu'on a une Angleterre qui a voté en ayant un mode insulaire, un modèle économique insulaire, c'est-à-dire que nous-mêmes, l'Europe, avons capté ce modèle économique mais au niveau d'un continent. Maintenant, on voit les limites de tout ça, puisqu'il y a des arnaques permanentes, des évasions fiscales permanentes, donc il y a les îles de Guernsey, il y a tout ça. Donc, à un moment donné, il faut mettre de l'ordre dans tout ça, c'est pas le tout de picorer. En Europe, il faut aussi quand même rendre. Alors donc, voilà, moi, je voulais dire que si l'Europe veut faire quelque chose de bien, c'est qu'elle donne envie à tous les autres de venir, mais pas seulement pour picorer, pour aussi construire un pays qui donne un modèle de paix à tout le monde entier. Voilà. Merci. Pierre ? On reste là. Pour voir la caméra. Oui, bonsoir, Pierre Blanca. Moi, j'observe trois choses. J'observe que depuis 1979, c'est quand même le marché le plus élargi possible qui intéresse les Britanniques. J'ai dit les Britanniques. Deuxièmement, que le coût du travail le plus bas, c'est ce qui intéresse les Britanniques. Et que troisièmement, l'adhésion de n'importe quel État est favorable pour éviter l'intégration des États. Alors, ce qui se passera demain, j'en sais rien. Mais je pense qu'il est important politiquement d'être capable de faire un bilan. C'est-à-dire, peut-on dire, quand on est européen et socialiste, que la participation des Britanniques depuis 1979, et je ne parle pas du traité de 1984 à Rambouillet, peut-on dire que les Britanniques ont eu un rôle favorable ou défavorable à la construction d'une entité à la fois économique et politique européenne ? Merci Pierre. Valérie, si je peux venir là aussi. C'est à la télé, ça. C'est en direct. Hein. Bonsoir à tous. Donc, Valérie Zuling, sélection de Hugues Moutier et secrétaire fédéral des postes. Premier mandat secrétaire fédéral. Moi, ce qui m'a beaucoup étonnée au lendemain du Brexit, c'est la réaction de mes collègues au niveau du travail, qui étaient finalement assez contents que les Anglais aient voté pour le livre. Moi, j'étais assez... Moi, mon activité professionnelle m'amène à travailler avec les institutions communautaires, et je dis, mais en fait, ils comprennent rien, quoi. Et j'étais, moi, assez effondrée. Mais, et en fait, je dis, mais au moins, les Anglais, c'était jamais là, pied dehors, un pied dehors, là, au moins, ça clarifie la situation. Donc, sur ce côté-là, clarifie la situation.
Tout à l'heure, tu disais, on intègre les Italiens dans les discussions pour ne pas faire un couple franco-allemand. Dans l'industrie automobile, quand on parle à chaque fois d'Allemagne, Allemagne, Allemagne, on a ras-le-bol que ça sert de modèle. Voilà. Parce que quand on ça sert de modèle, systématiquement, ça veut dire que chez nous, ce n'est pas suffisamment bien. Et ça influe sur le moral des troupes, et puis on se flagelle, on passe longtemps à se flageller, et pas à reconnaître les valeurs, la force qu'on peut avoir. Ça alimente aussi, d'un autre côté, la marmite de Marine Le Pen, parce que nous, on peut faire aussi bien. Et seulement, on ne pourra pas faire aussi bien si on est que nous. Parce que dans le cadre de la mondialisation, on ne se bat pas contre les Anglais, contre les Allemands, contre les Italiens, contre les Polonais, contre les Européens. Il n'y a pas de bataille, c'est vraiment non plus avec les autres, mais il ne faut pas non plus être naïf. C'est que l'Union européenne est un territoire extrêmement riche et qui attire les convoitises. Donc, à un moment donné, c'est est-ce qu'on veut vivre dans un territoire en paix, quelle est aussi la base de la construction de l'Union européenne, c'est de faire un territoire de paix, ou est-ce qu'on veut vivre dans une compétition exacerbée à tout va, sur tout le temps, à pousser les gens au bout du bout, et qu'à un moment donné, on arrive à un seuil de saturation émotionnelle ou d'acceptabilité émotionnelle qui fait qu'on est parfois au bord de la rupture. Et dans les acceptabilités, les facteurs d'acceptabilité, un des sujets qui n'est jamais adressé tant au niveau national qu'au niveau européen, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est vrai. Il va falloir un jour qu'on adresse cette question-là de manière sérieuse, parce qu'on dit, mais oui, partager la valeur ajoutée, la sécurité sociale, c'est du salaire différé, l'assurance chômage, c'est du salaire différé. Non, c'est pas perçu comme un salaire différé. C'est perçu comme un système de sécurité sociale français, protecteur, accompagnateur dans les cas de difficulté, mais pas des salaires différés. Dans les entreprises qui ont la possibilité de donner intéressement et participation, les règles du jeu sont aussi pas très stables. Quand la participation, parce que l'entreprise fait du bénéfice avant impôt qui n'est pas suffisant, elle ne distribue pas de participation. Mais le seuil de suffisant, il n'est pas très défini. Donc on vit ça comme des injustices sociales dans le partage de la valeur ajoutée au sein des entreprises qui peuvent faire ce genre d'exercice. Des règles du jeu, les entreprises font des sociétés, créent des sociétés ex nihilo pour faire de l'optimisation fiscale sans créer de valeur. Là aussi, c'est vécu comme des injustices. Et la cumule de ces micro-injustices, qu'on fait à un moment donné, on se dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Sachant que de l'autre côté, on dit, il faut bien trouver un bouc émissaire, mais c'est certainement pas l'Union européenne qui peut être un bouc émissaire. C'est nos comportements, nos facteurs d'acceptabilité locaux, dans les entreprises, avec les syndicats, qu'on met des bannes. On est là. Plus aussi l'acceptabilité au niveau national, moins maintenant, mais à tout un temps où on en demandait beaucoup. Les ministres dire c'est pas moi, c'est l'Europe. À un moment donné, les conseils des ministres, ils se tiennent. Donc, s'il y a un point pour lequel ils ne sont pas d'accord, autant le dire avant et pas après. Enfin, les processus de discussion européens sont déjà suffisamment longs pour faire des alertes avant et pas après. Donc, je trouve aussi un point de, comment dire, de non-honnêteté qui fragilise la construction européenne. Et sur la partie action concrète, je ne sais pas si aujourd'hui dans la salle, face à cette situation, on serait en mesure de mener des actions concrètes sur le terrain, de promotion très pratico-pratique de l'Union. Merci Valérie. Vous aviez dit. C'est ta question, puis après on va tenter de répondre. Et on prendra une question. Merci, bonsoir. Xavier, Morin, j'ai une réflexion qui m'est venue en vous écoutant. Je ne comprends pas comment on peut aujourd'hui commencer à remettre en cause le vote britannique de jeudi dernier.
Quand j'entends qu'une pétition qui circule et qu'on se pose même la question de peut-être savoir comment les Anglais finiraient peut-être par revenir. Non, mais non, le peuple britannique, enfin, les Anglais ont voté. Il y a quand même eu le précédent de 2005 en France où 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Ils vont l'imposer. Non. On en reparle si tu veux. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que refaire la même chose, dans l'idéal des gens, mais c'est une remise en cause complète. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien de voter, parce que de toute façon, au final, on va faire l'inverse de ce qui a été décidé par les gens. Après, que la campagne ne soit pas passée dans les bonnes conditions, qu'il y ait la mort de ses députés, que c'est effroyable, évidemment, évidemment, c'est un climat de tension que même nous, en France, on n'a jamais connu, avec quelques jours d'élection, enfin, c'est incroyable. Mais il y a un vote qui s'est passé. Après, s'il y a quelqu'un qui a menti, comme ce monsieur, je connaissais mieux que moi, mais j'entends qu'il y a un monsieur qui est... S'il ment, à un moment donné, il y a des tribunaux qu'on saisit, enfin, même avant, enfin, on ne peut pas laisser passer des gens impunément pendant une campagne électorale, mentir impunément et laisser faire, et puis après dire ben, finalement on a perdu et on veut un recours. Il faut assumer. Deuxièmement, ce qui est d'accord avec est-ce que vous avez dit, c'est que le sentiment que ça donne la politique européenne depuis des années, c'est que finalement les gens sont. Dépossédés démocratiquement, oui. Et que, effectivement, le fait que les conseils des ministres se réunissent, ferment la porte à une double tour, puis ils mettent des volets au bac, et puis que tout le monde discute, et puis qu'à la fin, c'est plus quoi qui leur sort, de toute façon, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner de ce qui arrive aujourd'hui. Donc après, bah, ça tombe bien, hein, on a un premier ministre, on a un président de la République, donc il va peut-être falloir qu'ils sortent des choses intéressantes et vite pour traduire ça en actes concrets. Parce que le dire, c'est bien, c'est important. Là, comment on fait ? Et là, il faut agir. Parce que ça fait trop longtemps qu'il y a des textes, il n'y a pas beaucoup d'actes. Merci. Avant de répondre, enfin, moi, si j'ai bien compris, le Parti Socialiste Français avec du Parti Socialiste Européen, les Verts, les Libéraux, donc le Modem, ils sont pour l'application immédiate de cette décision. Donc ceux qui demandent à l'heure actuelle, toujours dans une forme d'hypocrisie, de cynisme absolu, de différer de cette décision, c'est ceux-là même qui ont en Angleterre fait campagne pour le non. Donc je pense que c'est pour remettre le débat. Voilà. Ils sont pas menacés de devenir communistes. C'est voilà. Ça. En France, en tout cas le Parti Socialiste Français et ses camarades européens, la résolution qu'on enverra d'ailleurs à nos militants, que nous transférera, elle est très claire, elle commence par ça d'ailleurs. Oui. C'est l'application. Je vous laisse un groupe qui veut. Juste, je voulais te dire, le record, c'est quand même Tsipras, hein, qui le dimanche gagne à 60% et le mercredi signe l'inverse et qui se fait réduire derrière. Donc, ça amène à relativiser ce que vaut un référendum de nos jours. Hein. Parce qu'il avait le référendum grec, c'était 60% pour ne pas signer ce qu'il a signé exactement 4 jours après. Hein. Donc. Non, se met en cause ce que vaut le peuple. Si ce n'est qu'il s'est fait réélire dans des législatives 3 mois après aussi. Souvent, peu près, c'est ça. Vas-y, Arthur. Oui. Alors, très rapidement, juste d'un mot sur 2005 et Lisbonne. Dans la Constitution européenne, il y avait schématiquement deux parties. Il y avait une partie sur les institutions. Et une partie de règles sur le marché. Un des principaux reproches qui a été fait à gauche au traité de 2005, c'est que ça gravait dans le marbre les règles sur le marché. Dans le traité de Lisbonne, il n'y a pas les règles sur le marché, c'est uniquement les règles institutionnelles. Donc, dire que le... Et ce n'est pas exactement les mêmes à un ou deux pouillèmes près, mais à un ou deux pouillèmes près, la partie institutionnelle est effectivement celle qui est passée à Lisbonne. Mais du coup, dire que le vote n'a pas été respecté, c'est quand même... les gens qui ont voté non en 2005 n'étaient pas vent debout contre les changements institutionnels, qui allaient plutôt vers on fait moins d'unanimité et on essaye d'avoir un peu plus de votes à la majorité, parce qu'à 28, ça va devenir compliqué si on décide tout à l'unanimité. C'est cette partie-là qui est passée au traité de Lisbonne, en fait. Au niveau européen, le partage de la valeur ajoutée, c'est effectivement un point central. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est organisé par le marché,
Et par le marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a mis en concurrence les espaces nationaux, et en mettant les en concurrence les espaces nationaux, on a mis en position de force ceux qui sont en mesure d'organiser la concurrence, c'est-à-dire ceux qui organisent les entreprises, très concrètement. Il faut reconstruire des normes, et c'est quelque chose d'évidemment très compliqué. Certains pays ont fait le choix du dumping fiscal pour attirer des gens chez eux, et certains pays ont fait le choix du dumping social, notamment à l'Est, pour gagner des emplois. Et donc il faut arriver à reformuler des normes au niveau européen. On est en train de réfléchir là-dessus, puisqu'on a un rapport sur l'Europe sociale et sur l'Europe qui est en préparation. Nous avons mené des actions sur quelque chose qui s'appelle « Too big to tax », qui était l'idée qu'il ne doit pas y avoir d'entreprises multinationales qui sont trop grandes pour être taxées, justement en faisant des coquilles vides, etc. Et en disant, ben, en fait, au niveau européen, on doit quand même être capable, entre nous, de se mettre d'accord sur des règles pour savoir où est l'argent. Après, qu'il y ait des États qui souhaitent avoir des impôts très bas, on n'est pas encore à pouvoir remettre ça en cause. Mais au minimum quand même, que les entreprises qui font une activité dans un pays payent les impôts dans ce pays sur cette activité. Que Microsoft ou Apple, puisque l'exemple a été pris par Apple, qu'Apple nous explique que les ordinateurs Apple qui sont vendus en France, en fait, ils sont vendus en Irlande. À un moment, c'est quand même juste un petit peu compliqué à comprendre, quelque part. Donc, l'idée, c'est que ça, c'est quand même un trou qu'entre nous, au niveau européen, on est capable de boucher. Et ce qu'on a proposé pour y arriver, c'est de dire, bon, en fait, les perdants à ce jeu-là, c'est les gros. C'est la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Là-dessus, elles peuvent bien se mettre d'accord entre elles et faire des enquêtes fiscales communes. La France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne peuvent faire une enquête fiscale commune sur McDonald's, sur Starbucks, sur quelques gros comme ça qu'on prend, et dire maintenant on a décidé entre nous, on a fait notre enquête internationale, et on a décidé que le chiffre d'affaires et le bénéfice dans tel pays, c'était ça, c'était ça, c'était ça, et c'était ça. Et si après les autorités irlandaises veulent contester ça, elles font des procès devant chaque pays séparément. Donc c'est de reconstruire aussi un peu des rapports de force en interne, parce qu'on est aussi un peu dans l'intergouvernemental, donc dans la négociation, donc aussi dans le rapport de force. Oui, alors, je vais poursuivre sur ce que tu disais par rapport à Google et par rapport à l'évasion fiscale. Google, Amazon et tout un tas de choses comme ça sont effectivement à Dublin, en Irlande, où d'ailleurs beaucoup de jeunes Français vont travailler. Où ils ont une protection sociale nulle, un système de santé nul. On ne parle même pas du droit à l'avortement pour les jeunes femmes, parce que c'est encore plus nul. C'est ça l'Europe. C'est aussi ça, ces combats-là qu'il faut mener et qui sont toujours d'actualité. Et sur ça, on a posé un premier jalon, on a eu une première victoire au niveau du Parlement européen, c'est sûr. On a voté une résolution qui dit qu'on doit payer, l'entreprise doit payer des impôts là où elle fait des bénéfices. Après, il y a le système qui est la deuxième phase que l'on souhaite mettre en place, c'est la redistribution, le principe de solidarité. Et le sujet sur lequel Farage a beaucoup joué pour dire on ne veut pas être solidaire. Et en même temps, c'est drôle parce que ce matin, il expliquait non mais nous, on veut sortir de l'Europe, mais en même temps, on va continuer à avoir des échanges. Hein. Les voitures allemandes, elles sont construites en Grande-Bretagne. Donc, nous, on a besoin de nos emplois. Ça va bien vous arranger, etc. Donc, il veut sortir et en même temps, il continue à dire non, mais on va faire comme d'habitude. Hein. Surtout, on change rien. Donc ça fait partie des choses complètement incohérentes de Farage. Ça ne pose pas de problème. Mais comme tu le disais, et la proposition souvent l'Europe est bonne, sur la question de l'évasion fiscale, sur la question de payer là où on fait des bénéfices, au Parlement européen, on a eu une première victoire. Et le sujet, et là on est, tant qu'on est dans ce système du traité de Lisbonne, on est contraint par ça, c'est que on n'est pas à l'initiative législative. Enfin, on peut faire des propositions, mais ça ne vaut pas loi, contrairement au Parlement français.
celui qui a le dernier mot, c'est le Conseil des États membres. Donc, je sais qu'il y a un certain nombre de pays qui soutiennent dans le Conseil, dont la France. Michel Sapin fait un gros travail pour ça, mais aujourd'hui, on n'a pas le Conseil qui suit sur cette question. Donc, à un moment donné, même si on dit aujourd'hui qu'il faut être plus en avant et travailler davantage sur les projets, on sera obligé de toucher au traité. Parce que le système actuel ne permet pas d'avancer plus avant. Et c'était la déclinaison de ce qu'a dit Gianni Pittella ce matin. Il a dit, on s'est construit comme une Europe du marché, mais ça ne va plus. Il y a des perdants, ça ne nous va pas politiquement, on n'est plus d'accord. Il faut avancer vers une Europe du progrès, une Europe démocratique, et dans démocratique, je pense qu'il avait en tête les mêmes choses que ce que tu as décliné tout à l'heure, sur un meilleur rapport exécutif-législatif, ce qu'on apporte au Parlement européen aujourd'hui, une Europe sociale, et une Europe des droits aussi. Respect des droits fondamentaux, qui aujourd'hui, on met un certain nombre de règles de respect des droits pour entrer dans l'Union européenne, plus la peine de mort, on demande tout un tas de respect, les États, oui, mettent, une fois qu'ils sont entrés, ils les bafouent. Regardez la Hongrie aujourd'hui, regardez la Pologne. C'est pas le même niveau. Hein. C'est pas le même niveau, non. J'étais taquin. Non, ça n'a rien à voir. Ne cherche pas là-dessus. J'étais taquin. Voilà. Et sur cette question-là, on avance aussi. On est en train de travailler au Parlement européen et c'est repris dans le... c'est un vrai chapitre du cahier de la présidentielle, j'en suis très fière, le pacte de l'état de droit. Considérer que on a mis beaucoup l'accent sur ce fameux pacte de stabilité, où là on met de la flexibilité au sens le plus honorable du terme, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on tienne compte de la situation économique des pays avant de donner des règles fixes des 3%, mais on s'est rendu compte que ce pacte avait... des mesures contraignantes très fortes, puisque la sanction qui a failli vivre la Grèce l'année dernière, c'était une menace de sortie. Et bien le pacte de l'état de droit, ça peut être ça la solution finale. Et ça peut, il faut que ça s'active mieux que l'article 7 aujourd'hui des traités, qui est pratiquement impossible à mettre en œuvre. Sur Orban, on n'a pas réussi parce qu'il est au PPE et donc il a le soutien de son groupe au Parlement européen. Et sur la Pologne et PiS, comme ça, au pouvoir. Donc qui se raccroche au groupe ECR au Parlement européen, donc le parti de Cameron, on y revient. C'est très compliqué à mettre en œuvre. La Commission essaie d'avancer, mais je suis même pas sûr qu'on aboutira. Donc on a vraiment besoin de retrouver aussi ces outils-là et de considérer que le respect du droit, c'est un pilier au même niveau que les questions économiques, et on n'est pas une Europe de marché, pour nous, c'est, on se rend bien compte des difficultés qu'il y a, et on se rend bien compte surtout du fait que, avant de vouloir négocier des traités transatlantiques et autres, il faudrait déjà qu'on soit d'accord pour avoir un réel marché intérieur et pas être en concurrence interne constamment. Donc je suis assez d'accord avec tout ce que tu as dit, mais face à ça, on a ce pacte de l'état de droit, on n'a pas que... On a des valeurs à défendre et à promouvoir, et je pense que ça parlera davantage aux citoyens européens que de parler toujours de libéralisation, c'est que ça. Les discours qui passent en boucle, constamment, c'est ça, et comment on peut faire en sorte que les entreprises machin bidule... Non, c'est pas que ça l'Europe. C'est pas que ça l'Europe. Donc il faut avancer dans ce sens-là, c'est fondamental. Et pour parler de mes collègues britanniques, on m'a demandé comment ça se passait avec mes collègues britanniques. Moi, je pense que ce n'est pas le Royaume-Uni qui est responsable de l'enlisement de l'Europe aujourd'hui. C'est la faute de tout le monde et c'est la faute justement de ce positionnement européen. J'ai trois collègues britanniques avec lesquels je travaille énormément et pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. C'est Claude Moraes, qui est président de la Commission des libertés civiles. Donc c'est de la Commission des lois du Parlement européen, qui fait un travail remarquable et qui peut partir. C'est Seb Dance, qui est le coordinateur de la Commission d'enquête diesel, dans laquelle je siège comme rapporteur, qui fait un super travail. Et je vous parle d'un travail européen, ils sont profondément européens, ils ne sont pas britanniques avant tout. Et Lucie Anderson, qui est avec moi en Commission des transports,
et qui fait avec moi tout ce travail de lutte pour plus de social dans les transports. Elle est avocate de profession et avocate pour les syndicats britanniques. Et c'est un vrai, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ces gens-là, si demain ils ne sont plus au Parlement européen, ils ne sont plus dans le groupe, ils ne sont plus dans le travail avec nous, on va beaucoup perdre. Donc voilà, il y a des Britanniques qui ne sont pas européens, comme il y a des Français qui ne le sont pas, parfois avec des raisons vraiment réfléchies, et puis parfois c'est simplement parce que c'est facile de dire qu'il y a tout le temps des jeux, des rosebifs et des grenouilles. Donc voilà, moi je ne fais pas partie de cette catégorie, mais bon, j'aime dans les Européens, quelle que soit leur nationalité, mais voilà. Il y a un vrai travail, et ce qui nous réunit d'abord et avant tout, c'est cet amour de l'Europe et cette envie d'avancer sur nos positions socialistes. Voilà, et c'est ça ce qui nous rassemble. Merci beaucoup, Christine. J'avais juste rajouter juste une seconde à ce qu'elle dit. J'allais dire qu'on n'avait plus beaucoup de temps. Non, mais juste vraiment une seconde. Ouais. Je voudrais signaler d'ailleurs, pour aller dans ton sens, que le Parti socialiste slovaque a sombré dans la xénophobie, la corruption et deux trois autres choses du même style. Et je pense qu'on peut être fier de ce que le Parti socialiste français a porté au Parti socialiste européen, une demande de sanctions et de suspension. Et il y a eu un vote qu'on a perdu, mais ça a été porté par le socialiste français. Non mais oui, voilà. Mais il faut. Avant, on ne menait pas les batailles. Il faut les mener. Et voilà. Faire savoir qu'on les mène aussi. Ça revient aux premières questions. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. J'avais promis à Christine qu'il y a un peu de route, une heure pour entrer en Seine-et-Marne, c'est ça ? Non, 22h20. 1h20. On terminera à 22h30. Il est déjà presque 22h30. Donc, on va prendre trois dernières questions. Il y avait Eric, Mourad et. Je ne connais pas ton prénom. Joël. Et une question d'intervention rapide. Voilà. Mais pour toi, confiance. Tu sais que tu peux. Oui. Oui, quelques réflexions sur tout ça. Déjà, sur le sens du vote, parce que je retire du sens du vote indépendamment du content, pas content, etc. Bon, maintenant, on peut faire avec. Et il faut faire avec à partir d'un vote démocratique dont un des ressorts renvoie à l'exigence démocratique. Moi, ce qui a été un carburant, et ce qui est un carburant pour Le Pen, quand elle dit l'Europe, c'est fait contre les peuples, machin, etc., c'est les affaires de 2005, c'est vrai ou pas vrai. Ce qui ressort, c'est que 2005, à la fin, quand bien même il y a les bémols que tu as cités, à la fin, ce qui est prégnant dans l'opinion, c'est merde, on s'est déplacé pour faire un référendum, ça sort à 55, et un an après, ça détricote, et du coup, à quoi ça sert? Et donc, ça crée un terreau pas possible que l'on a entendu. Également dans la campagne, dans les explications de vote d'un certain nombre d'électeurs anglais, qui disaient, et souvent c'est ce que moi me frappait le plus, de dire, mais on en a ras-le-bol de ces choses qui viennent et qui sont décidées par les ronds de cuir bruxellois, qui ne sont élus par personne. Et ça renvoie à cette exigence démocratique et au fait que, quand bien même tu dis, moi je ne l'avais pas vu, que les États ont repris la main, etc., par rapport à la Commission, etc. On reste quand même, je pense, avec d'énormes marges de manœuvre sur le fait que on est une réelle qui émerge sans le dire, parce que le fédéralisme, ça fait peur. Je suis d'accord, je suis pour, mais j'ai bien compris que ça faisait peur. Mais que petit à petit, on fasse gagner des capacités à avoir des vrais ministres européens de ceci, cela, des secrétaires européens à ceci, cela, le commissaire à ceci, cela, qui est avant tout l'émanation d'une démocratie et non pas un acteur politique au sens plein du terme. Je pense que là-dessus, on a énormément à faire, et ça renvoie à ce que tu disais aussi. Quand est-ce qu'émerge une classe politique européenne? La droite a gagné la dernière fois, les textes, ils sont là. Ils ont envoyé Juncker, c'est juste une blague, en termes d'incarnation de quelque chose. Juncker avait gagné la primaire de la droite, il était le candidat, il a exprimé son... Oui, mais ils ont été capables de l'élire. Et donc le fait qu'ils aient été capables de les lire, ça, oui, mais ça démontre... Les citoyens l'ont élu. La mécanique est rodée. Ah, oui. La mécanique est rodée. Juncker s'est retrouvé en position d'être la tête de gondole du Parti populaire européen. Et c'est ce qui est dramatique. Quand les gauches étaient au pouvoir, je me souviens toujours de ces meetings en 97, quelque chose comme ça, on avait tous les leviers. On a juste été capable d'envoyer des
c'est pas péjoratif pour eux, mais les meilleurs d'entre nous, en tout cas, ne se sont pas projetés dans le champ européen et ont préféré rester dans le précaré franco-français parce que, quelque part, bah, c'est là qu'est... On a un vrai sujet et il faut vraiment qu'on se réapproprie ces choses-là, qu'on avance. Je suis content de savoir que les plateformes UBS avancent en ce sens-là. Après, sur le très court terme, j'ai peut-être raté le début, mais je pense qu'il y a... Ce qui est attendu pour que l'Europe plaise, il y a des enjeux de souveraineté européenne. Il ne faut pas le présenter comme ça. Mais la souveraineté européenne, c'est quoi? C'est que l'Europe protectrice, parce que la souveraineté, c'est avant ça, finisse par être perçue. Sur les questions terroristes, moi, j'avais il y a trois jours, j'avais une conférence à mon boulot, où un mec de la DGSI venait nous expliquer que, vaste blague, l'Europe des flics, mais ne rêvez pas. On est tous encore totalement confis dans nos logiques opérationnelles. De culture, du secret, de l'imaginaire, mais c'est vrai pour les policiers, par rapport au terrorisme, il faut casser ça. Mais est-ce qu'un Cazeneuve est prêt? Est-ce qu'un Valls est prêt? Est-ce qu'un Hollande est prêt à dire qu'il faut aller vers de l'intégration des systèmes de lutte contre le terrorisme, un vrai quelque chose sur l'Europe des frontières? C'est même vrai à l'intérieur des pays, quand on regarde comment fonctionne les services en police, France, etc. Et puis la Belgique, ça dérive. Mais je prends l'immigration, Frontex, qui est juste une le corps européen de douaniers, c'est pour quand? Le corps européen de... avec des casquettes, des badges, etc., et des jolies images où les gens disent « Ah oui, il y a quelque chose européen qui est là pour incarner par les fonctionnaires en question sur le terrain cette idée que oui, l'Europe a des frontières. Sur la question des protections, et des protections, je dirais, les plus souveraines, il y a des choses sur lesquelles, à condition d'avoir la volonté politique, il y a le moyen, parce que le terreau est là auprès des populations pour avancer. Et j'espère que ça va avoir lieu. Juste un dernier commentaire de politique intérieure cette fois. De politique intérieure. La vision, on l'a bien vu, tout le monde va passer au révélateur. Les anti, parce que là, Johnson qui hésite, machin, etc. Oui, d'accord, super, on a gagné, mais après on ne sait pas quoi faire. Le 350 millions là, par semaine, etc. Je pense que ça imprime. Donc le caractère profondément menteur et manipulateur d'un certain nombre de ceux qui veulent détruire l'Europe, je pense que le doute, dans une certaine mesure, est susceptible de s'installer par rapport à la crédibilité dont ils pouvaient jouir jusqu'à présent. Ça, c'est un point positif. Le point sur lequel, j'espère, l'avenir nous donnera des points d'appui. Là où on est en responsabilité, et notre gouvernement, nos parlementaires, mais surtout notre gouvernement, parce qu'on sait comment sont faites les choses au jour d'aujourd'hui, c'est, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, ok, maintenant les Anglais ne sont plus là. Donc le petit jeu, c'était la faute des Anglais si on n'avance pas. On va peut-être voir encore continuer à le jouer en disant oui, mais ils nous font lambiner, l'article 50, machin, là. Mais enfin, l'article 50, c'est un sujet, mais prendre des décisions rapides, etc., en oubliant Cameron, sur un certain nombre de sujets tels que ceux que je viens d'évoquer, j'ai oublié la protection, le souverainisme fiscal, il faut qu'il y ait un souverainisme européen fiscal qui s'affirme. Sur ces sujets-là, on va aussi passer, nous, au révélateur. Et il n'y a pas besoin d'attendre des grandes réformes institutionnelles sur le champ démocratique, etc., pour sur des trucs très très concrets, mais qui relèvent vraiment de l'incarnation identitaire européenne. Et on peut avancer. Le terreau est, je pense, fertile par rapport aux populations sur ces sujets, au vu du contexte européen, au vu du traumatisme et des interrogations de l'internaute, n'en raconte pas le prochain. Merci, Eric. Moral. On n'a pas de réponse. On devrait. Ah, on dégalade. C'est le même européen. Alors, tout d'abord, j'ai juste de relire le. J'ai juste de relire l'invitation, le carton d'invitation. C'était après le Brexit, où va l'Europe? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, juste après le vote, j'ai reçu des coups de fil d'Angleterre. De Français expatriés qui vivent en Angleterre et qui, eux, sont en panique. Eux, ils sont complètement en panique. Pour être clair, aujourd'hui, ils ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire. Alors, panel d'une dizaine de personnes, des étudiants, qui ne savent pas comment. Est-ce que leur diplôme va être reconnu ou pas? C'est quand même important. Des chefs d'entreprise qui ne savent pas s'ils vont devoir investir en Angleterre ou revenir en Europe, parce qu'ils sont quand même partis au départ en Angleterre pour soi-disant un cadre de vie, et ils se retrouvent qu'aujourd'hui... Plus de fish and chips, ouais. Voilà. Donc ils se retrouvent aujourd'hui bloqués. Donc,
Moi, je pensais que ce soir, on allait essayer de parler de choses concrètes. Les Anglais, ils nous ont dit au revoir. Ils ont dit au revoir. Il y a un vote. Alors, le référendum, effectivement, tu me dis tout à l'heure que le référendum, il était pas légal. Mais aujourd'hui, concrètement, pour nos ressortissants, tout à l'heure, il a dit qu'il n'était pas. C'est pas qu'il n'était pas légal, qu'il n'était pas reconnu, qu'il fallait que le Parlement européen, le Parlement britannique, le valide. Est-ce que tu as dit? C'est légal, mais au bout du compte, on attend le vote des députés. C'est plus que technique, parce que le Parlement britannique existe depuis 1215, et l'ensemble du droit non écrit constitutionnel anglais émane du Parlement britannique. C'est autre chose que de dire il faudrait que le Parlement français le ratifie. C'est ça. Ce qui est anormal pour eux, c'est de faire un référendum. C'est presque un empiètement. Et la majorité des députés étaient contre ce référendum. Et c'est pas une blague que leur démocratie, leur système. Leur système, c'est leur parlement. Voilà. Thomas. Bon, voilà, la vraie question, c'est comment on peut aider, parce que là, ça va être aidé, les concitoyens français qui vivent en Angleterre, pour où leur dire, bah, revenez vite, parce qu'on ne va pas attendre 6 mois ou 2 ans, parce qu'ils ont une vie. Hein. Il y a à peu près 300 ou 400 000 Français qui vivent dans tout le Royaume-Uni. Eux, ils posent des vraies questions. Et pareil pour les Anglais. Il y a des Anglais qui vivent sur le territoire européen, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus sur le territoire européen. Donc, ça serait bien de trouver un discours pour qu'on puisse les aider. Voilà ce que je voulais dire. Alors, d'échange des émigrés. On va il n'y a pas d'immigrés, il n'y a que des Européens. Voilà. Joël, pour la dernière question. Rapide. Bonsoir. Brièvement, donc moi je me présente, je suis Joël Roman. Je suis l'un des fondateurs de ce monde l'Europe en fait. Et après, on a passé la main aux gens un peu plus jeunes et à une génération suivante. Oui, je vais faire juste deux remarques. Il me semble qu'il y a deux réactions qu'il faut essayer d'éviter d'avoir et qui sont symétriques. Au fond, l'une qui consiste à dire les Anglais freinaient la construction européenne depuis très longtemps, et donc tant mieux, au revoir, goodbye, etc. Et enfin, on va pouvoir avancer, il faut aller vers l'Europe fédérale, etc. Oui, certes, mais les Anglais faisaient quand même partie de cette construction européenne. Et puis l'autre réaction symétrique qu'il faudra essayer d'éviter d'avoir aussi, c'est celle de s'embringuer au fond dans des manœuvres, effectivement, dilatoires que ne vont pas cesser de mettre en œuvre un certain nombre de conservateurs, d'ailleurs britanniques, et même partisans du Brexit, mais qui, au fond, nous enliseraient complètement là-dedans. Donc, il faut effectivement essayer de déplacer les choses et d'aller sur un nouveau terrain. Quoi. Alors, il y a des idées qui ont été émises tout à l'heure, quand on a parlé des fonds structurels, quand on a parlé d'une Europe du projet et des projets. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Moi, je voudrais juste dire il y a deux points qui me paraissent importants. Un des points importants, c'est que si on veut avancer sur la construction européenne, il y a une zone qui existe, qui est celle de l'euro, et sur laquelle, effectivement, on peut avancer au niveau de l'intégration davantage européenne. Le cœur de ce qu'on peut appeler le fédéralisme européen, on le fera, et on le fera autour de l'euro. Il faut vraiment, aujourd'hui, essayer d'accepter que l'Europe soit... Alors, il ne s'agit pas d'officialiser les deux vitesses, etc., mais on peut avancer, et il faut avancer très vite au niveau de la zone euro. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est quand même se rappeler, effectivement, alors ça a été dit aussi, que ce populisme qui a gagné en Grande-Bretagne, il a un certain nombre d'échos dans beaucoup d'autres pays européens, et il se nourrit essentiellement, pas seulement, mais essentiellement quand même, d'une thématique, c'est la thématique anti-immigration, c'est la thématique xénophobe, et c'est là-dessus aussi qu'on trouve sur l'Europe. Les valeurs européennes, c'est d'abord des valeurs du pluralisme culturel, c'est d'abord les valeurs de l'ouverture, c'est d'abord le refus de l'Europe forteresse. Et je ne crois pas que ça soit, au fond, en essayant de dire, comme le disent parfois un certain nombre de nos dirigeants politiques, et comme le disent parfois un certain nombre de responsables, que ce soit européens ou que ce soit nationaux, de dire, finalement, on comprend, on est d'accord avec ces inquiétudes, on est d'accord avec ces angoisses, le souverainisme, c'est quand même ça qu'on peut arriver à essayer de sauver malgré tout, etc. Et il faut que l'Europe se construise des frontières essentiellement. Je ne crois pas que ce soit dans cette direction-là qu'on pourra avancer puis si on veut sauver l'Europe. Merci. Merci, très belle. Merci. Est-ce que l'un peut répondre et conclure cette soirée? Il y a encore... Les trois? Oui, il y a un dernier élément que nous, on réfléchit à mettre au débat et qui interpelle un peu nos parlementaires.
c'est que nos camarades du SPD ont de lourdes responsabilités. En Allemagne, il existe une majorité alternative, quoi qu'on en dise. Et donc, tant que dans des pays lourds, nous aurons des coalitions gauche-droite, ça a un poids énorme sur les affaires européennes. On l'a vu au Parlement européen, du jour au lendemain, quand la coalition allemande était SPD, PPE, les Genossen allemands n'étaient plus les mêmes quand même au groupe. Donc, il y a quand même aussi des choses qui apparaissent compliquées, qui sont assez simples. Il y a des pays où, et c'est ce qui va se passer en Espagne, si le PSE arrive, et c'est pas le cas, c'est plutôt si les indignés acceptent de gouverner avec le PSE, c'est pas la même politique, c'est pas le même poids en Europe que si c'est un gouvernement gauche-droite. Et la question se pose dans le pays le plus puissant actuellement, en tout cas en Europe, qui est en Allemagne, où il existe une majorité alternative qui ouvrirait des champs de possibles à explorer. Deux points de réponse. Le premier pour un débat sur l'européen, sur l'Europe. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que l'idée que le parti se renforce en s'épurant, à un moment, il faut s'en méfier, on a quand même perdu un pied dans l'affaire. Après, on est un peu boiteux. Et puis, même si le Royaume-Uni était l'image même du point européen parce que c'était les plus vociférants, il n'est pas le seul. Et à 28, il y avait des désaccords. À 27, nous restons très riches de désaccords. Donc, effectivement, de toute manière. C'est intergouvernemental, le point européen. Voilà. Là où. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai un désaccord clair, parce que de toute façon en Europe rien n'est jamais clair, mais là où je ne suis pas entièrement d'accord, c'est sur le ciblage de la zone euro. Parce qu'en fait, l'Europe a deux vitesses, en fait, c'est plus différent à l'eau. Le Schengen, c'est plus grand que, Schengen, c'est plus grand que l'euro. Le pacte de stabilité, bizarrement, c'est plus grand que Schengen. Donc il y a une espèce de cercle concentrique en fait autour de l'euro qui se recouvre plus ou moins et pas complètement, puis à la fin on voit bien qu'il y a une zone qui est quand même techniquement beaucoup plus intégrée, et puis d'autres qui sont plus ou moins dans certaines politiques et pas d'autres, mais il n'y a pas euro pas euro de la même manière qu'il y a Union européenne et espace économique européen. Et il faut faire attention, par exemple les réflexions autour du Parlement de l'euro. Moi, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la question démocratique à 27. Fondamentalement, ou alors ça veut dire que la partie qu'on partage à 27, qui est le marché, est dans les faits technocratiques, ce qu'on ne veut pas avoir. Fondamentalement, le marché, on le gère à 27, donc il faut que la démocratie européenne soit organisée à l'échelle des 27. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément des choses différentes qui se passent au niveau de la zone euro, parce qu'on a des choses beaucoup plus dures à gérer en commun, mais sur les libertés publiques, sur la démocratie, sur les migrants, quand même, hein, parce que les frontières, elles ne s'arrêtent pas à la zone euro, sur les droits sociaux, il y aura sans doute des choses à faire dans la zone euro et en dehors de la zone euro. Mais je pense que c'est très difficile de tracer une frontière sur une Europe à deux vitesses là-dessus. Et pour répondre en un mot, pardon, sur les citoyens européens en Grande-Bretagne et les citoyens britanniques en France, là-dessus, on est très très clair, on a pris position dans ce qu'on a écrit sur le Brexit. Il ne faut absolument pas qu'ils deviennent les otages d'un jeu pervers de négociation autour de la sortie ou pas. Il faudra de toute manière trouver des solutions pour ces gens, qui sachent un peu où ils en sont dans leur vie, que l'Angleterre sorte ou pas, quitte à ce que ce soit des dispositions transitoires pour ces gens-là en particulier. Et si on n'arrive pas à trouver rapidement des accords avec l'Angleterre, je pense même
qu'il faudra qu'il y ait des actes unilatéraux de la part des gouvernements européens. Les citoyens britanniques qui vivent en France et qui vont rester en France, eh ben, s'il faut donner la nationalité à 200 000 personnes, pourquoi pas. Ok. Merci Arthur. Oui. Sur la question de la souveraineté européenne, qui est un sujet fondamental. Alors, dans les points mis en avant par le président, par Jean-Christophe Cambadélis et aussi par Gianni Pittella hier en groupe, le premier point sur lequel il faut avancer, ils l'ont tous dit, c'est sécurité et défense au niveau européen. Donc j'espère qu'on va aller plus avant que ce où on est aujourd'hui. Et en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que sur la question du terrorisme, maintenant il y a une task force à Europol qui mutualise les services de police. C'est vrai, et c'est pas que les Français, hein. Tous les États ne sont pas encore prêts à lâcher complètement cette souveraineté-là, mais ils ont accepté cette task force. Et les échanges d'informations maintenant fonctionnent. Mais il faut aller plus loin. Nous, on prône un FBI européen. Voilà. Donc, et on le dit, et on le redit, et ça fait son petit chemin. Sur la question des frontières, on verra à l'usage les gardes-côtes, gardes-frontières, mais il y a eu un accord. Parlement, Conseil, Commission, et le vote officiel est la semaine prochaine pendant la session de Strasbourg. Donc on avance là aussi, et maintenant il faut que ce point qui est en priorité, sécurité, défense, en tout cas dans la famille social-démocrate, trouve une traduction rapidement. Et ensuite, les autres priorités, c'est les questions environnementales, les questions de relance industrielle pour l'emploi. Sur les inquiétudes de Mourad qui sont justifiées. Les amis Mourad. Donc tes inquiétudes. Pour les inquiétudes, ces amis. Les amis mais si tu veux que les 300 ou 400 000 ressortissants français. Je les connais. Je connais pas tous personnellement, mais comme la circonscription d'Île-de-France, c'est aussi français d'étranger, et je suis allée les voir. En tout cas, les socialistes français. on est dans une procédure de divorce. D'accord. Où nous, on n'était pas d'accord pour divorcer, mais l'autre partie voulait. Donc. Et en fait, ça. Pour info, c'est comme ça dans les divorces. Non, pas tout ça. Bon. On va pas aller plus loin. Mais c'est un divorce où il y a des enfants, il y a une maison, et puis voire une résidence secondaire, et puis éventuellement encore autre chose. Donc, nous, ce qu'on dit pour justement protéger toutes les personnes qui sont dans une situation extrêmement bancale, c'est déjà, il faut acter le divorce, ou pas. Et après. On rentre dans la négociation sur comment on met en place tous les systèmes de sortie progressive et d'accompagnement des personnes qui sont concernées. Mais on ne négocie pas tant qu'il n'y a pas eu confirmation ou pas du divorce. Ça, c'est le point fondamental. Parce que certains Britanniques aimeraient qu'on commence à négocier comme ça, on fait traîner. Et puis du coup, on n'avance pas sur le sujet prioritaire dont je vous parlais à l'instant, et ça c'est très important. Et donc j'en ai fini parce que Joël, tout ce que tu as dit était tout à fait juste. Moi je pense que sur la zone euro, faudra avancer, mais effectivement je suis complètement sociale et fiscale pour ne pas heurter, y compris des collègues qui sont l'État de l'Europe historique. Moi, mes amis portugais, ils veulent absolument pas entendre parler d'un système. On est dans une intégration renforcée au niveau de la zone euro, et puis les autres n'y sont pas, ils n'en veulent pas. Donc il faut faire très attention à ça et trouver les clés pour avoir la même ouverture que du SME à l'euro. Voilà. Merci Christine, Arthur, Henri et Joël d'être venus juste dans le podcast pour parler de l'Europe ce soir. On s'était même dit, avec Régis, que je tiens à excuser, qui est retenu pour des raisons professionnelles à son lieu de travail. On s'était même dit avec Rachid qu'on pourrait d'ailleurs tous les 6 mois peut-être organiser un débat sur l'Europe. Oui. Pas seulement au moment des crises ou au moment des élections, mais voilà. Personnellement, j'ai appris pas mal de choses ce soir. Super. Des faits à la fois historiques que j'avais appris et aussi des faits d'actualité. Et si vous en êtes d'accord, Christine et Sauvons l'Europe, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera à nouveau en fédération. Je profite juste pour dire, voilà, je crois que tu as amené ta lettre du député et
une revue de presse. Ouais, j'ai pu voir. Ils sont là. N'hésitez pas à les prendre. Et sur les chapeaux, parce que faites deux choses. Inscrivez-vous, enfin, allez voir le site Sauvons l'Europe, adhérez aussi. Voilà. Ou suivez-les sur Facebook, sur Twitter, et faites la même chose. Adhérez au Facebook de Christine pour suivre l'actualité européenne. Merci encore. Thank you.